Salut la gang, on se retrouve aujourd'hui pour notre stream quotidien. Aujourd'hui, on continue notre série de Ace Attorney avec Ice-Star. La dernière fois, là, on avait réussi à sauver l'orque, là, mais là, c'est sa dresseuse, là, que j'ai oublié le nom, là, quelque chose de bateau, là, qui s'est fait accuser. À sa place, du coup, nous autres, on essaye de l'aider, elle, maintenant. Ice-Star avec le first. Et le reflet pisse de Brutus. Alright. Et le hydrate, aussi. Ah ouais. Bon, du coup, regardez, allons le rejoindre justement, là, Ice-Star, là, qui nous attend, là. Ah ouais, tu es là. Je me suis entendu. J'essaie de faire le plus possible avant que tu puisses changer. Ouais, tourne en agré. bonsoir. Je refais. I lost with Voilà, VS. pour faire Wark. simple. Ah bah j'ai gagné. Ouais. C'est que le plus Cool. petit ciseau. Voilà, c'est mon tour. Ah, intéressant ça. Oh, qu'est-ce que je suis con comme garçon. Ah, ok. Hein? Bonsoir à toutes et à tous, Aesta 53, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche soir, on est sur Apollo Justice Ace Attorney, la cinquième affaire du second jeu avec Anto Master 16. Alors par contre, Anto, parle. Allô? Ok, on t'entend, mais on te voit pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ton truc? Ah, il est là-haut! C'est vrai, j'ai changé de place, c'est vrai. T'es perché haut de l'écran maintenant. Ok. Ok, c'est vrai. Allez, sans transition, on passe sur le jeu. On avait sauvé l'animal, faut sauver bah, l'autre animal, mais avec les pattes. Et voilà. Voilà. Allez. J'espère que tout est bien réglé, que tout le monde va bien. Les bonbons sont là, le reste de café est là. À toi de parler, Anto. Ah ouais. Est-ce que tu peux mettre le son du jeu un peu plus fort? J'ai l'impression qu'il est un peu bas. Actuellement, il n'y a pas de musique, Ouais, c'est je pas sais, mais j'ai pourquoi. c'est quand même, mais bon. Ok, bon bah voilà. Ouais, ça c'est un peu mieux. Alors Athéna, on soupire? Vous n'avez pas perdu quand même. Pardon. Non, on a gagné. L'accusé a été déclaré non coupable. Ah, pourquoi vous faites cette tête alors? Papa, tu as été méchante avec elle, c'est ça? Quoi? Vous visitez la nouvelle? C'est pas bien ça, Monsieur Wright. Je ne vous félicite pas. C'est charmant, non? Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces fausses accusations? Nous avons réussi à prouver l'innocence de l'accusé. Mais Anne a été arrêtée dans la foule. C'est Anne Bateau, sans doute. Ah oui, le jeu de mots avec Albator, purée. Ah, c'est donc ça. C'est triste. Qu'est-ce que vous allez faire? On va découvrir le fin mot de l'histoire. Je ne crois pas une seule seconde qu'Anne soit capable de ce meurtre. Moi non plus, je ne lâcherai pas rien. Patron, allez voir Anne et proposons-lui de la défendre. Pas tout de suite, elle doit encore être en plein interrogatoire. Allons d'abord enquêter un peu. Peut-être trouvera-t-on des preuves de son innocence. Ça me va. Ouais, Polo, on garde le cabinet, papa. Ah. Les frères et sœurs. Quoi, quoi. Oh merde, ils ne le savent pas. Et si je peux vous être utile, surtout dites-le-moi.
Merci, tu peux toujours ranger le dossier d'épreuve et faire un peu de ménage? Oui, je pensais plutôt à mon utilité en tant qu'avocat. Un problème de réglé. Maintenant, direction la scène du crime. Je crois qu'il n'y a plus d'eau. Effectivement. Tiens, il n'y a plus d'eau dans le bassin. Merci, Athéna. Polly, où es-tu? Tu l'entends au fond du Oh là là, bassin. terrible Il reste sans désillusion. doute un peu d'eau. Hi, sound Alex. Allez, Sit t'as le back and tournerie. enjoy the stream. Woof. Il a l'air si triste, ça ne doit lui manquer. Alors ça, c'est le veto. Sûrement. Le ou la, je ne me rappelle plus. Le. Le. Hey, faites attention, ne vous approchez pas de dehors. Ah Vous allez non. faire comme la victime. Enfoiré, va. Et puis, la police est toujours en pleine enquête. N'allez pas fourrer votre nez partout. Inspecteur Brian. Que se passe-t-il, mademoiselle l'avocate? Vous m'avez l'air de mauvais poil. Je proteste contre l'arrestation de Mademoiselle Bator. Retraite? Régis. Brutus is hungry. Anyone has food? Three. Inspecteur, j'aimerais vous poser des questions sur cette affaire, si vous permettez. Je vous écoute. Hi Mademoiselle Nardzu, sit Bator est back and totalement enjoy the innocente, alors stream. pourquoi Woof. l'avez-vous arrêtée? Hey, je leur suis comment ça Coucou Narsou! c'est bleu leur. Ouais, il a posé mon leurre chez toi et chez moi, tu vois. Yep. Je vais formel et je respecte cela. Mais il n'empêche qu'elle est suspecte. En ce moment, les enquêteurs examinent la scène. Alors, vous pouvez entrer à votre guise. Mais d'habitude, il faut avoir une carte d'accès afin de pénétrer dans la salle du bassin. Il n'y a que la victime Yann Bator qui possédait une telle carte. Nous savons qu'hier, le jour d'incident, la carte de suspect a été utilisée. Quelqu'un peut la bourboler, sa carte. Objection! Quelqu'un d'autre s'est servi de la carte de Mademoiselle Pator. Mais c'est un avantage. J'imagine que c'est une possibilité. Hihi, j'avais trop l'air d'une avocate, hein? T'es avocate. Ouais, encore heureux. Ah. Toutefois, la suspecte nous a confirmé qu'elle était entrée dans la pièce à l'heure indiquée. Elle était là entre 3 h du matin, entre 3 et 6 h du matin, le 20 juillet. Apparemment, elle nettoyait la salle du bassin de fond en comble. J'ai vraiment une orque jouée de l'orque. Quoi? En tout cas, bravo plastique de 3 items. Du ménage au bout de la nuit. Tu verrais un dauphin jouer du tabourin? Oui, il paraît que la partie la plus difficile du ménage ne faisait que de nuit. La suspecte a également avoué qu'elle s'était disputée avec les propriétaires peu avant sa mort. Sans oublier que personne n'a revu la victime après sa discussion houleuse avec la suspecte. Hey! Et le rappeur de mes deux là? Objection, je dois bien pouvoir objecter un truc. Comment il s'appelle déjà? Seul. Karim Duflo, voilà. Lui, et il n'y a pas rendez-vous le matin avec le capitaine? Ouais, c'est écrit son calendrier, ouais. Hi, Eschenetting. Sit back and enjoy the Bon, stream. les Woof. dauphins font des fins. Bon, dauphins. Je vais vous Ah garder. ben là, Claude, il sait ce soir ou quoi là? Oh là là! À mon avis, tu vas finir en gratin dauphinois à force, oh, Étienne. Au fait, inspecteur Briand, pensez-vous que l'interrogatoire de Mademoiselle Patton soit terminé? Non, pas encore.
Cependant, j'ai dit à notre interrogateur de ne pas la malmener. Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Oups, faites comme si j'avais rien dit. Ça ne vous regarde pas, de toute façon. Ça doit être l'âme noire, l'interrogateur. Ah si, ça me regarde. Allons, nous allons défendre Mademoiselle Bator dans cette affaire. Ah, vraiment ? En ce cas, j'ai un service à vous demander. Pouvez-vous lui faire passer ce médicament ? Le médicament ? Il a été prescrit par la clinique Chambouzeux. Oh. La clinique. Chambouzeux ! Attention, vous mettez les pieds là-bas. C'est bon le gratin dauphinois tant que c'était pas un gratin orquinois. Il a fait un séjour chez eux d'ailleurs. Nous l'avons trouvé en fouillant son domicile. Je ne peux pas vraiment m'absenter, alors si vous pouvez lui transmettre, ce serait bien. Un médicament, vous dites ? Mademoiselle Bator est malade donc ? Le mieux, ce sera encore de lui demander. J'étais prêt au drap. Bon, je vous laisse. Je dois retourner à mon enquête. Il n'y a plus beaucoup d'indices, enfin. Je lui donnerai dès que nous laisserons lui parler. Il faut aussi qu'on lui rentre son calendrier. On peut bien aller voir Anne et enquêter. On devrait interroger les gens de l'aquarium. Dans le tunnel en premier, je dirais. Parce que d'après moi, si on peut trouver Karim quelque part, c'est ici. Ok. Perdu. On a rien à... Ah. Bon, quand est-ce qu'on va le voir si je suis Veto? Est-ce qu'il existe ou non? En fait, quand je regarde la vie de recherche là pour l'hippocampe. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il a commis comme crime sur le joystick? Yeah. C'est des crimes horribles. Personne n'ose en parler tellement c'était horrible ce qu'il a fait. C'est pour rien que le montant est très élevé. Il a tué ses milliers d'enfants d'un coup? Cet hippocampe est un dur. Oh, la porte est ouverte. Hier, elle était fermée. Quelle porte? Ah, la porte à gauche, ouais. Et tu sais ce que ça signifie, pas vrai? Bien sûr, patron! On va aller faire un petit tour! Wow. Ça sont pas parasites sur l'écran derrière? Je pense qu'il y a des chances que ce soit le joystick. Et des tortues. Une tortue, ouais, tu vois, j'ai pensé, même les carabes examinés. C'est un truc d'ensemble? Eh, hey, dis donc, regarde-moi ça. Un chat de couchage, elle danse sur place, cette personne. Ouais. C'est quoi ces dents là, là-haut sur l'armoire? Ouais. C'est glauque. Hein. Elle fait chauffer un truc. Santé, peut-être? Regarde-moi la taille de la seringue, nom de Dieu. Ouais, pour le plus grand plaisir de la plupart de mes amis qui ont pas les aiguilles. Ah! Je veux voir les stats. Vous deux! Oui. Je crois qu'on a trouvé le cousin raté de Pagouin. On est d'accord? Ouais, c'est un cachet pour dormir, ça. Ouais, bah pourtant, il sait qu'on est là, il nous regarde. Hein. Et en plus, il est en colère, regarde. Ça se voit sur ses cheveux. Si à la base, ce truc-là, c'est sur le crâne qu'on l'expose, le crâne, il est très gros, non? Pas principe, il y a un truc disproportionné dans le design. Hein. J'imagine qu'il doit avoir un sacré regard. Alors lui, ce personnage-là, sur le truc des tribunaux, là, des accusés, les interactions qu'il doit avoir, c'est monstrueux, c'est bizarre, n'est-ce pas? Ouais, surtout si c'est lui le coupable qu'il envoie l'accusé. Il y a un stéthoscope rose. Non mais, c'est quoi ce foutu de goût? Alors, quelle voix je peux faire à ce personnage? Oh, je vais pas m'emmerder. Vous permettez d'entrer dans la main comme ça, sans permission? Désolé.
Toutes nos excuses, monsieur. C'est elle qui a insisté. Vous avez pas honte de me faire porter le chapeau, monsieur Wright? Ah, mais tu sais, il l'enlève. Ouais, il y aura plus de quand on est poli, on frappe et on demande avant d'entrer. Allez-y, je vous écoute. Tout de suite, monsieur. Hein? Il se pète plus haut que son cul, lui. Entrez! Merci, désolé de vous déranger. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez consulter? Oui, à vrai dire, je ne me sens pas très bien en ce moment. Otto! Quoi? J'ai du mal à avancer dans cette enquête et... C'est un veto, respecte-toi! J'ai un gros voilà. Mademoiselle! Où est le patient? Vous voulez parler de Noël? Ah! Non, attendez. Ça, c'était mon ancien boulot. Je suis à l'aquarium, là. C'est cette avalanche de questions qui m'a épuisé. Je n'ai pas soupir. C'est quoi son problème? Veuillez m'excuser. Je viens de me réveiller. Je suis un peu dans les choux. Je suis le docteur. T'as compris le jeu de mots, Anto? Ben, oiseau, oui, mais... Ni d'oiseau! Ah! Ouais. Et on... C'est bon! C'est mon surnom à laquelle on a ajouté ni d'oiseau à la fin, ça, hey! Il a pas compris, ça y est! Ah! Je suis le docteur Anthony Doiseau. Je suis le véritable titre. Je suis le vétérinaire à titre de la crème de Galion. Ah, c'est vous le fameux docteur Doiseau dont nous a parlé Monsieur Duflo hier. Quel emplumé? Oui, bien exactement. Là, bah, tu vois, il est. Il a aussi dit qu'il n'avait pas vu le docteur. Je me demande où il était à ce moment-là. Sacre bleu! Cette satanée bestiole ne me laisse pas un instant de repos! Dans ses cheveux! Ah! C'est pire qu'un Pokémon ce truc! C'est plouf! Oh, qu'est-ce que c'est? Il est trop choupinou! C'est une jeune femelle manchot pygmée! Elle vire mes cheveux. Oh, vous en avez de la chance. J'aimerais bien avoir un animal comme ça sur la tête. Laisse-moi deviner. Ses cheveux, quoi. C'était c'est un studio, c'est une deux pièces, un truc comme ça, c'est ça? Hein? Athéna, on dit pas d'animaux au cabinet. C'est pas juste. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vous saurais gré de bien vouloir partir. Je dois aller faire ma ronde. Allez, ma grande, on y retourne. Attendez, on doit encore vous poser quelques questions, c'est pour sauver Mademoiselle Bâton. Minute. C'est quand même pas vous les deux rigolos qui avez défendu Poli. Si, c'est nous. Nous voudrions vous parler un peu de cette affaire. Vous n'étiez pas à l'aquarium hier, n'est-ce pas? En effet, j'avais une affaire à régler à l'aquarium sous-marin. Sur-marin? Drôle de nom pour un aquarium. L'aquarium sur-marin est... Et ça l'aquarium sur-marin est le plus grand au centre de thérapie par les dauphins du pays. J'y suis allé. J'ai plusieurs amis dauphins là-bas. Hein, quoi? Anto, je crois qu'il y a des trucs sur les dauphins que tu ignorais. C'est-à-dire... Eh, hey, tu parlais...
de thérapie assistée par les animaux avec Apollo, pas vrai? Hier. Je me rends aussi en marin une fois par mois. Mais je vais ici. Vous vivez à l'aquarium? C'est exact. J'ai mon sac de couchage. Et parfois, je me sers de la salle de repas. Je suis responsable de la santé et du bien-être des créatures marines de cet aquarium. Si l'une d'elles a besoin d'assistance médicale, je serai là pour aider. Wow, vous êtes un peu brut de décoiffe, docteur d'oiseau, mais ça se voit que vous aimez votre travail. Laissez-moi accepter au cabinet sont les araignées au plafond et les mouches vivantes aux quatre coins du cabinet. T'as oublié les... T'as oublié les punaises de lit, tout ce qui est... Alors, plus soucis au passage, hein. Faut pas accepter. Hé, hey, mon grand. Tu penses que cette jeune fille cherche à me défriser? J'ai mes suspicions de son comportement, monsieur. Elle a tendance à dire ce qui lui passe par la tête. Alouette. Vous n'êtes pas effectivement pas un modèle de courtoisie non plus, apparemment. Vous non plus, apparemment. Est-ce qu'on peut revoir le petit manchot? Stop! N'approchez pas! Aïe! Navré, quel vous est pris pour cible? Je suis la seule personne qu'elle tolère. Puisqu'elle m'a vu en premier à son éclosion, elle me prend pour son parent. Elle attaque les gens se cachant dans mes cheveux. Alors faites gaffe! T'as peut-être un tronc cache de l'eau sous pression, on dirait un petit bouton. J'ai dit, c'est un petit plouf. Ouais, sur le coup, ça fait vraiment petit plouf. Il crache de l'eau. Vous avez tout compris. C'est pour cette raison que je l'ai appelé. Tu parles d'un nom. Tu parles d'un nom pour un Pokémon, toi? Pustule, je te choisis. Anto, t'as appelé Pokémon ou pas? Un go, pas encore. Presque. Pour ton prochain live, si tu captures un Pokémon, appelle le Pustule. Ouais, je sais pas si je vais capturer un, mais bon, si c'en est un, ça va être ma légendaire. Ah bah! Je l'appelle Pustule. Sa mère. Hein? C'est l'enfant de parasite. Oh, parasite Pustule. Y'a. Ouais, ok, bon, ça paraît logique finalement. Sa mère se présente plus parasite. Pustule et parasite, ce duo Murphy a l'air dangereux. Alors, c'est elle la fille de parasite. Génial, j'ai fâché toute la famille. Oui! Les manchots sont de nature belliqueuse. Il est facile de nouer des liens avec eux. Et puisqu'ils sont nocturnes, vous pourriez peut-être réussir à les toucher de jour. Vous entendez bien avec Pustule, non? Un peu comme Anépoli. Anépoli ont une véritable relation de complicité, contrairement à Pustule et moi. Cela m'empêche de dormir. Je ne pourrai me reposer que quand elle aura quitté le nid. Ça va être plus dur. Ça va être dur pour lui, ah. Mais bon, c'est 6 millions à regarder. Anthony? J'ai une solution qui coûte 15$. Bah, je sais quoi faire. Plus de cheveux, plus de nid. Ouais, hein? Mais imagine essayer de lui couper les cheveux avec le pingouin qui se mord à chaque fois que tu t'approches. Ou qu'il crache de l'eau. Bonne chance. Ah. Oh, misère. Non, on l'endort. Alors, le nourrisson, on l'endort. Et c'est bon, hein. Ça va, hein. Enfin, ce crapaud. Anto, je sais. Ouais. C'est Pustule qui a tué le capitaine. Bien sûr. J'aurais dû m'en douter. C'était Pustule tout ce temps-là. Il a fait une attaque rayon bulle, là, puis il est mort. Ça existe, rayon bulle? Ouais, il me semble. En tout cas, la gueule, il y a Bubble Beam, fait que je l'ai traduit un peu littéral, mais il me semble que ça doit être ça. Rayon bulle.
Il y a écume, il y a pistolet à eau, il y a... C'est quoi l'autre attaque des bulles, déjà? Bubble d'eau. Ah, ça doit être celle-là, du coup, c'est une bulle d'eau. Bubble d'eau, ouais. Que pouvez-vous me dire sur le mur d'Emile Sabor? Je n'arrive pas à croire qu'Emile nous a quittés. C'est lui qui m'a fait monter à bord du galion. Pourquoi t'en étais allé si tôt? Quelles étaient vos relations avec Monsieur Sabor? Les animaux, c'était sa passion. J'ai jamais trop compris ce qu'il a retrouvé. Mais je suis tout de même fier de travailler en tant que vétérinaire. En tant qu'associé, nous entendions bien. C'est grâce à lui que j'ai pu construire ce laboratoire. Je dis hydrocanon, Zétine. Je dois reconnaître qu'il enchaîne votre labo. Et à mon avis, hydrocanon, il doit être beaucoup largement plus gros que ça, d'ailleurs. Ah, un œil averti. Je peux vous en dire plus à ce sujet si le cœur vous en dit. C'est rempli d'équipements électroniques. À quoi servent ces appareils? Pour faire simple, ce sont les dossiers médicaux de toutes les créatures présentes ici. Je peux aussi regarder la vidéo de la caméra du passage des visiteurs en temps réel. Comme ça, je sais tout de suite si notre maman Manchot était de prendre le large. Vous avez donc donné l'enregistrement à la police? Non, vu que je n'étais pas là hier, mais j'ai donné la permission aux agents de la prendre. J'ai aussi fait une déposition au sujet des disputes entre Emile et Anne. Oh, c'est vous qui y avez assisté? Ouais, c'était dans la nuit du 19 vers minuit. Je vous ai vu se crêper chez nous près de l'aquatunnel. Par contre, j'ignore à quel sujet j'ai disputé. Vous voulez vraiment parler de ça à la défense? Je ne souhaite pas prendre position. Je donnerai mes informations à qui veut bien l'entendre. Ce que vous en ferez lors du procès d'Anne ne regarde que vous. C'est quoi ce regard comme ça là? Il est bizarre. Ouais, vous êtes un peu brut de décoiffe, docteur d'oiseau, mais je vous trouve gentil. C'est bon ou y a déco? Moi, je n'avais pas déco. Bah, c'est la chanson, j'ai déjà entendu. Non, parce que c'était une vanne, Anto. Ah. C'est que c'est la seconde fois que elle dit ça, Athéna. Ah ouais? Ouais. Vous allez vraiment réussir à me défriser, jeune fille. Oh, c'est trop mimi. Il est tout embarrassé. Sacre bleu, t'as encore peur? Il est impossible de mettre la main sur maman Manchot, évidemment. Oui, ça va. Arrête de me couiller à l'oreille, deux secondes, tu veux? Selon croit ton Toki Woki, Parasite se trouve non loin de l'aquatunnel. Si vous la voyez, amenez-la moi, d'accord? Je dois encore examiner notre créature. Et Cindy qui ressemble un peu à Rick, oui. Il est toujours pas mal plus genre réaliste animé de Rick, ben oui. Quel Rick? Rick et Morty. Oh! Oh! Et j'ai pas le temps de lire. Sorry. C'est quoi cette... Pas de problème, mais cette fois je vais tâcher de l'apprivoiser. Parasite s'est encore échappé, elle est pas si manchotte que ça. Bonsoir, Anto Warlike, bonsoir à toi. Et hey, encore un Anto, c'est le troisième maintenant aujourd'hui. c'est la soirée de Anto. Voilà. C'est pour ça. Oui, mais ça va être le 13 octobre, c'est la journée nationale des Anto, voyons. 13 octobre? Ah, faudrait qu'on la garde en mémoire celle-là. Je te souris dedans parce que c'est la date d'aujourd'hui. C'est pour ça. Ok, bah sous le coup, bienvenue à toi. Je suis en train de faire donc en coop avec Anto Master 16. Bon, il a un petit regard méchant sur le Kirby, il est à côté. Oui, je suis en mode spooky. C'est le mode c'est moi dans Louis, je suis en mode spooky. Ouais, c'est pour ça. Sous le coup, on est partout, il dit. Tous les Anto sont partout. Anto Master, donc c'est un ami québécois. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on se connaît, non? Ouais, 2, 3 ans, ouais, 2. 3 ans à peu près, ouais. J'ai envie de dire 2 et demi. Bon, c'est sûr et certain, mais je pense dire presque 3 ans. Et c'est entre guillemets grâce à Anto que je me suis mis à faire des lives. Hein. Et tu sais, il dit pour le 1er avril, on se renomme tous Anto quelque chose. Brutus is in the house. C'est pas mal. C'est le coup. Donc, sur le coup, c'est Anto Master 16. Et donc,
Depuis des mois et des mois, on fait les différents SA tournées. On a fait Phoenix Wright, on fait Apollo Justice. On fait ça ensemble et on fait les doublages des personnages. Il Toi, fait les Étienne. voix principaux, moi je fais tout le reste. Toi, Étienne, tu Résumé. serais en tout givré, c'est sûr. Sous le coup. Bon, ça toi tranquillement. Je ne sais pas si on parviendra à la retrouver facilement, mais allons à l'aquatunnel. T'étais pas en train de faire du GTRP, toi, en tout, ce soir? En tout Warlike, hein. Après, j'ai essayé ta partie de pêche, mais quand j'ai vu, sous le coup, que l'espèce légendaire à 1000 gold a été pêchée par Cinderella, ça m'a calmé. Non, mais oh, 1000 gold pour une créature qui est même pas un poisson? Faut pas déconner. Ah d'accord, tu vas te commencer. Oh, c'est vous! Le duo bleu et jaune! Je vous en veux encore pour ce que vous avez fait ce matin! Vivre vous! Ah zut, à défaut de manger, voilà qu'on tombe sur le terri. Ce que j'ai cru, c'est la vérité! Et je verrai la vérité de mes propres yeux! Je ne me laisserai pas faire par un vulgaire duo bleu et jaune! C'est quoi ce surnom? Depuis quand on est le duo bleu et jaune? J'aime bien faire différentes voix en tout. Hein. Ma préférée, c'est celle de Mickey. Si quelqu'un peut le faire payer, comme ça il pourra tester. Il faudrait comprendre. Parce que c'est pas gratuit. Hein. Athéna ne lâchera rien. Dans ce cas, à toi de mener l'interrogatoire, Athéna. Anthologie! Oui, anthologie. Ah ben merci, Piplette. Au moins, j'ai un adversaire de taille. Allez, c'est parti. Ah, tu gères, t'inquiète pas. Parfois, je suis content d'être le patron. Vous vous documentez depuis l'incident sur nous l'an dernier, c'est ça? Un proche de la victime m'a demandé de creuser le sujet. Qui donc? Je ne lui dirai jamais aucune information sur mes clients. La croyance prétend qu'il s'agissait d'un accident. Mais j'ai comme un doute. Il cache quelque chose dans ce personnel. Moi, je pense que les polars ont tué cette fille. Mais vous ne savez même pas si c'est vrai. Cette fille, jeune miss. Je le répète, mais mon enquête suit son cours. J'ai oublié. Lorsque j'aurai appris la vérité, j'écrirai la suite de mon livre. Il n'a Dieu que pour sa fameuse enquête. J'étais venu établir un rapport pile un an après le décès de la stresseuse. Et j'ai assisté à la mort du propriétaire de l'aquarium. Quel choc! L'incident s'est donc produit à la même date que le précédent. C'est une question. Ben, le tour sur le coup ne correspondait pas. Oui, ben, le temps que j'utilise la force de point d'interrogation, j'étais un peu après. Ah, pour une fois, tu allais trop vite pour une fois, c'est triste. Ça ne peut pas être une coïncidence. Enfin, interrogeons Madame Vernier au sujet du procès. C'est quand Polly a chanté que vous avez su qu'il se tramait quelque chose? Absolument! Oh, comme ça, garçon! Le coupable a réussi à me duper, moi! Je l'y avais emmené! Alors, oui, pour information, oui, c'est un jeu de mots avec Jules Verne. On l'a compris que tard durant le procès. Est-ce que tu finis que c'est Athéna pour le drapeau de la Suède, Suède égale Stockholm, Stockholm égale siège social Mojang, Mojang égale Minecraft, la boucle est bouclée. Amen! Etienne, ça va beaucoup trop loin ton délire. Arrête de manger de la glace, c'est pas bon pour ton cerveau. Je vais rester en l'heure, en tout cas, c'est sympa vos doublages. Y'a pas de soucis. La chanson de cet épaulard porte malheur. Notre mort l'an dernier et rampe l'autre cette année. Mais cette chanson est amusante, je dirais plutôt qu'elle porte bonheur. Vous trouvez cette chanson barbare amusante? Oh là là, c'est genre. Oh, Non mes mais, souvenirs. hey, c'est à moi. Dans mes souvenirs, la chanson du grand moustachu n'avait rien de barbare. Bon, je
vais l'enchanter pour vous rapprocher la mémoire. Arrête de pointer les doigts. Pas une cinématique, petit. On se doit tout de suite avant de faire quelque chose que tu vois. Oh non! Ah, ouais, t'as pas chanté. Saccage, pillage, et beubri. C'est le credo de la piraterie. Et pourquoi elle est dans l'eau là-dedans, là? Oh, oh! Non! J'aimerais bien savoir ce qui est amusant dans ces paroles. Elle dit, elle a l'air plutôt bien s'amuser. Ouais. Le rouge Apollo, c'est pour les locaux. Attendez, c'était pas la chanson du Grand Moustachio? Ça, c'est la chanson du Grand Moustachio. Est-ce qu'il faut nous remercier? Mais on peut le faire quand même. Allez, c'est reparti! Les pirates qui rêvent cette mer, donnez-nous un navire et nous serons libres comme l'air. Peu d'or, nous braverons les ouragans à l'aventure. C'est Félix à côté? Tout à l'heure, Julien voulait embrasser un tour. Félix? Pardon? Qu'est-ce que vous chantez là? Je n'ai jamais entendu cela. Bah quoi, c'est la chanson du Grand Moustachio. C'est moi, le scénariste, on se sont lâchés pour ça, pour cet épisode. C'est nous les pirates qui régnons sur les sept mers. Donnez-nous un navire et nous serons libres comme l'air. Pour un peu d'or, nous braverons les ouragans. À l'aventure, naviguant sur les océans. La version de Félix, mais... C'est impossible! Elle est complètement l'opposé de celle de l'an passé! Toute voile dehors vers un trimor! À nous les trésors! Saccage, pillage et beuverie! C'est le credo de la piraterie! Sans preuve, je ne risque pas de croire en l'existence de votre chanson! La version de Parasite qui dit... Grrr, quelle tête de mule celle-là! Qu'est-ce qu'il fait, ça? Anto est muté, hein. Oups, j'ai accroché mon bouton sans me rendre compte, excuse. Grrr, quelle tête de mule celle-là! Tu te posais la question pourquoi je réagissais pas? Je sais pourquoi il dirait ça. Ah! Ah, je sais. Quoi? C'est plus Anto Masters, c'est Anto Muté. Anto quoi? Muté. Oui, muté. Eh bien, si elle veut une preuve de la chanson du Grand Moustachio, elle va être servie. C'est quoi? Faut que toutes mes transformations de Kirby, je trouve un nom qui commence par Anto, c'est ça? Oh, c'est à moi. C'est cet enregistrement qui contient la chanson du Grand Moustachio. Il s'est automuté. À nouveau, même vous êtes bâtard et poli chanté. Quelle parole inspirante de la part de notre orque. Pour la première fois! Cette aérienne y comprendre, elle est toujours jouée pendant le Grand Moustachio. C'est si beau. Remarque, je n'ai pas vu le spectacle depuis un bon bout de temps. L'an dernier, ils utilisaient la chanson quand je vous chantais. Je la reconnaîtrais entre mille. Et si les polars pouvaient chanter des chansons? C'est vraiment, vous êtes pas là. Bator, Polly n'en connaît qu'une seule. En ce cas,
D'où vient cette chanson que j'ai entendue? C'est ce qu'on aimerait savoir. Alors qu'à chanter une chanson qu'elle n'est pas censée connaître. C'est intéressant. C'est intriguant comme histoire. Oh, quel sur l'aquarium, le galion est loin d'être terminé. Mais je devrais aussi me pencher sur le sang de gestion des animaux dangereux. Le sang de gestion des animaux dangereux? Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous en dire un peu plus sur ce centre de gestion des animaux dangereux? Étienne, arrête de pleurer. Comme son nom l'indique, c'est un organisme qui surveille les animaux dangereux. L'an dernier, le centre a exigé que l'aquarium euthanasie les polars. Une euthanasie? Mais le propriétaire de l'aquarium a refusé. Ce prétexte n'a de sexe à leur thème. Mais j'ai du mal à croire qu'un tel organisme lâche si facilement l'affaire. À mon humble avis, c'est l'argent qui a fait capituler le centre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une fois par mois, le propriétaire et le vétérinaire s'éclipsent de l'aquarium. Et j'ai découvert qu'à chaque fois, une grosse somme d'argent est renversée. Oh, et vous pensez que c'est au centre de... c'est le centre de gestion qui a reçu l'argent? C'est une piste que j'explore actuellement. La réponse sera dans mon prochain livre. Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas à cerner ce vétérinaire. Il n'est pas digne de confiance. Docteur Anthony Doiseau, on ignore encore tout de lui. Mais c'était si beau de ça. Restez pas ici, c'est quoi la prochaine étape? Repassons au cabinet pour élaborer un plan d'action. C'est le retour de culotte. Mon téléphone, quelle sorte 3, 2, 1, et... Oh, tu as réussi à faire sortir le téléphone de Monsieur Vic dans ta culotte magique. C'est génial. C'est la fin du spectacle de magie et de vérité. À la prochaine. Bien joué, vérité. C'est toujours aussi impressionnant. Je demande quel est ton truc. On est rentré. Ah, Pearl, c'est venu nous rendre visite. Salut, Messonic. Tu n'as pas oublié quelque chose? Ah, merci. Tu le vois sorti de la fameuse culotte magique, hein? Comment se passe l'enquête, Monsieur Wright? On manque de temps, mais il nous faut encore examiner la scène du crime. Je veux voir Maya, moi, dit Étienne. Faut pouvoir attendre. Oh, en parlant de ça, papa. Tu devrais prendre tes outils d'analyse scientifique avec toi. Tu la poudre à empreintes pour les empreintes et du fil d'analyse luminol pour le sang. Ouais, vérité, je ne savais pas que tu avais ce genre de truc avec toi. Et une amie inspectrice me les a passés. Oh. Assez, Nick. J'aimerais t'aider dans ton enquête. Puis-je t'emprunter tes outils? Je ne veux pas te faire travailler alors que tu es en excursion. Ça me dérange pas, et j'aimerais bien revoir Parasite. Je vais vous aider aussi, si vous avez des tâches à me confier. Maskai, ouais. Ah oui, merci. Je n'hésiterai pas si le besoin se fait sentir. Ne bouge pas d'ici, je dois arroser Charlie, alors faites-moi signe. C'est le buisson, ça, c'est la plante, là. Ah, c'est très gentil, Apollo. Il n'y a que de braves gosses ici. Je vous demande qu'une chose. Faites de votre mieux. Je sais qu'on peut faire une santé âme. Je suis vraiment content de faire partie de l'équipe. C'est à moi, ça. Ouais. Je suis vraiment content de faire partie de l'équipe. D'ailleurs, je dois vous dire que vous êtes tous géniaux et que je n'aurais pas pu rêver mieux.
Hi Cinnamon Boy 69. Sit back and enjoy the stream. Woof. C'est réciproque, Katana. Et si sincère qu'elle va me faire rougir. Hey, hi Cinnamon, how are you doing? Allez, on fait la course jusqu'à l'aquarium. I'm doing good, how about you? J'aime de quoi faire des relevés, ça pourra servir. Attendez un peu toutes les deux. Attendez un peu toutes les deux. Elles sont parties sans moi. And so every time you show up, it's like the one day where I swim in French, Cinnamon, I swear to God. La justice prévaudra. Pilaton, nous avons fait examiner les lieux pour le moment. Et nous allons passer le passant des spectacles au pleine fin. Karim Duflo participe au nettoyage. Nous allons lui poser quelques questions. Thanks for the hydrate. Je ne pensais pas qu'il nous donnerait autant de détails, mais tant mieux. Santé. Yes. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux alentours, si vous voulez. Merci, c'est ce qu'on va faire. Ah, en fait, si vous examinez le fond du bassin, je vous recommande d'utiliser le monte-charge d'un côté de l'échelle. L'espèce de grue qui pend au du plafond, là, ça marche. Mettez-vous sur la plateforme et le factionnaire le fera descendre pour vous. Merci. Un bassin moins profond, ça m'aurait pas déplu. Sur ce, bonne chance à nous. La justice prévaudra. Maintenant que l'inspecteur Bria a quitté les lieux, on a quartier libre. Le fonctionnaire est toujours là, Athéna. Le factionnaire. Essaie de ne pas raconter ce genre de truc devant lui. Est-ce que c'est qu'un factionnaire? Non. Ah, c'est pas un agent qu'on attribue à une tâche et qui est fixé à un truc. Il est en quelle position? On dit qu'il est en faction. Donc c'est factionnaire. C'est vrai qu'on le descend en bas, j'imagine. Il y a sûrement la police qui a vidé l'eau. C'est tout de suite plus triste sans eau. Quand une chose disparaît, cela entraîne un effet psychologique. Par exemple, si tous les accessoires de magie du bureau étaient soudainement rangés soigneusement. Tant que vérité vraie de la magie, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Bah, elle ne s'intéresse peut-être pas à la magie pour toujours. Elle est arrivée à un âge où les jeunes filles commencent à réfléchir à leur avenir. Il m'est arrivé la même chose et j'ai fini avocate. Je suis quasi sûr que Vérité aimera la magie toute sa vie. Surtout avec les parents qu'elle avait. Du coup, faut qu'on appuie sur les crochets pour descendre. Car je me suis renseigné sur cette salle. Ce monte-charge permettrait de déplacer du matériel et même poli. Comment font-ils ça? Je savais que vous me le demanderiez. Apparemment, ils utilisent un brancard conçu spécialement pour transporter une orque. Ça alors, Athéna a l'air fière d'elle. C'est pas plutôt ça qu'il faudrait. Non, je pense que c'est juste qu'il sur l'échelle du coup. On voit que c'est le tableau de commande de la grue qu'on a vu, ça fait beaucoup de boutons. J'ai les doigts qui me démangent. Et compatible, j'ai envie d'appuyer dessus, c'est ça? Non, ça me donne envie de fouiller dans la tête des gens qui aiment appuyer sur des boutons. Quand tu as oublié, je suis ton patron, pas ton cobaye. Ouais, juste cliquer sur l'échelle.
J'ai envie de du monde charge pour accéder au fond du bassin. Ah, mais t'es allé là, Poly. Ils ont même mieux pour garder un peu d'eau. La chambre de Poly, il y a même un fauteuil. Poly, félicitations pour ta victoire, mais on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Anne a été arrêtée. Elle a l'air triste. Croyez-moi, elle l'est. Son cœur est empli de tristesse. Ne t'inquiète pas, Poly, on sauvera Anne. Je veux que Poly vienne nous souhaiter bonne chance. Poly semble comprendre ce qu'on lui dit. À défaut de comprendre nos paroles, elle comprend nos cœurs, j'en suis persuadé. Ah, c'est fixé. Télé, ils appellent ça la cabine du capitaine. Chaque soir, à la lueur de la lanterne, Poly vient admirer ses trésors. Ouais, je vois plus comme une femme, vous voyez, qui passe en revue le budget familial. Une carte, une boussole et un rocher effrayant en forme de crâne. La chambre de Poly suit elle aussi le thème des pirates. Mais ce rocher n'a pas l'air à sa place. Il fait un peu de tâche. Oui, c'est bizarre d'avoir un gros rocher en forme de crâne aux côtés de son bureau. Anne avait sans doute pas fini de l'aménager. Quand il s'agit de Poly, je pense qu'Anne n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Dans l'état d'esprit à ce moment-là, ça pourrait être la clé du mystère. Et je vous parie que je peux le résoudre. Laisse tomber le mystère, reprenons l'enquête. Ouais, tout plein de trésors. Ces bijoux et cette couronne sont énormes. C'est clair, j'ai l'impression que tout est en modèle géant ici. Non, tout est en modèle Poly. Autant pour moi. Pouvons-nous commencer, monsieur Nick? Commencer quoi? C'est bien la scène de crime, non? Alors, commençons à analyser. Ça se voit qu'elle ne rêve que d'une chose, se servir des outils d'analyse scientifique. Une médium qui adore les outils d'analyse scientifique. Il y a une erreur, non? D'accord, faisons-le, analysons la scène. Yuppie, je peux t'aider. Bon, il faut mettre ça. À quoi servent ces lunettes, monsieur Wright? C'est pas un accessoire de mode, hein? Elles permettent de voir le sang. Allez, peur, ça apparaît des luminoles où c'est nécessaire, d'accord? Ça roule, monsieur Nick. Ce serait super efficace. Moi, je pense que c'est des jeux où on doit trouver du sang. Hein? Est-ce que tout le monde a ses lunettes? Bien, examinons le fond de ce bassin. Allez, sur le crâne. Oh, je vois un truc. C'est à toi de... Ouais, tu l'as dit trop tard. Si on se tient à votre raisonnement, patron, cette réaction au luminol signifie que la victime est tombée sur le rocher en forme de crâne. C'est ce que je pense, oui. Ah ouais, maintenant pour regarder ailleurs. Est-ce qu'il y en a sur Poly? Oui, je dis, regarde Poly. Oh non! Pardon, j'en ai mis sur Poly sans faire exprès. J'ai qu'un Pearly, c'est pas grave. Regardez, on voit des réactions luminoles sur Poly. La pauvre, elle saignait hier, le luminol montre sûrement ses blessures. Une minute. Selon Madame Verny, le sang a disparu lorsque Poly a enfilé le chapeau. Bah, ses blessures devraient être sur le chapeau dans ce cas. Ce sang ne provient pas des blessures de Poly. D'où vient-il?
Je crois qu'on a couvert l'intérieur du bassin. Dans ce cas, laissez-moi prendre une petite photo souvenir. D'accord. C'est pas tous les jours qu'on voit le fond du bassin d'un aquarium. Et elle est bien celle-là. Je vais marquer les réactions luminelles par-dessus. Trop ouais. Bien, c'est notre première œuvre collaborative avec Pearly. Tiens, j'ai entendu quelque chose. C'est parasite. Ah non, c'est Pearly. Pearly? Patron, Pearly ne va pas bien du tout. Quoi? Tu as raison. Elle est toute amorphe. Elle est en train de couler. Oh non, c'est peut-être la quantité luminale que je vais reverser dessus. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Nick? On peut rien faire par nous-mêmes. Il faut aller chercher le docteur d'oiseau. J'y vais! Dans quel état est Pearly? Elle est apathique, elle s'enfonce. Elle s'est peut-être évanouie. Le bassin est à sec. Sacre bleu, qui a fait ça? Si on ne fait rien, elle va se noyer. Tenez, donnez-moi un coup de main. Qui ça, nous? Non, pas vous, le samouraï d'acier. Évidemment, vous, aidez-moi dans une pipe. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh la ref, c'est une monstrueuse. On n'a pas le temps de remplir le bassin pour la faire remonter. Allez me chercher le brancard. Un grand bout de tissu avec un grain et des os dessus. Il ressemble à un drapeau de pirate. Quand le brancard sera prêt, appuyez sur le bouton de mon charge. D'accord, on s'en charge. C'est ça. Ouais, ça. Alors, son drapeau pirate est un brancard pour l'orque. On ne peut pas l'utiliser avec pas dessus, retirons-les. Ils ont tout rangé. Bien, maintenant appuyez sur le bouton de mon charge pour abaisser le brancard. Le tableau de commande se trouve sur le mur à votre droite. Ouais, oui, forcément, du coup. Ah, voilà le bouton qui permet de déplacer le mont charge. Docteur d'oiseau, le brancard est prêt. Parfait. Passons-le au sous-poli. Je vais m'occuper de la suite. Reculez! Je dois la traiter immédiatement. Elle a quelque chose dans l'estomac. Voilà, j'ai tout sorti. Est-ce que Pearly va s'en sortir, docteur d'oiseau? Oui, elle va s'en remettre. Je vais le poser sur le mur derrière. Quoi? Je sais que c'est un fou, mais j'en parle à quelqu'un, je suis genre, hein, quoi? Ah oh, putain! Karim Duflo, 1 million! Elle dort pour l'instant. Les ors sont des mammifères. Ils peuvent supporter de se trouver hors de l'eau, maman. Cependant, leurs organes sont écrasés par leur propre poids. Et leur peau finit par sécher. Je lui ai mis un peu de ma crème hydratante, mais en attendant, pour parer au plus urgent. Mets-toi bien, Pearly. Oh, si seulement je n'avais pas mis du luminol dessus. Luminol? Ah non, c'est pas le problème, ça part tout seul, ça. Rassurez-vous, jeune fille, vous n'avez pas fait de mal à Pearly. Ah bon? Et dans ce cas, qui lui arrive-t-il? Je ne vous dirai rien de plus à ce sujet. Ça ne vous regarde pas. Je dois reprendre ma ronde. Le reste de l'équipe va prendre la relève. Surveillez un peu Pearly pendant que je vais chercher de l'aide. L'oiseau agit de manière louche. On dirait qu'il cache quelque chose. Il devrait peut-être aller voir comment va Pearly avant que le personnel ne revienne. Y avait-tu de quoi dans son contenu de son estomac pour des poissons? Ah ah!
Regardez un peu ce que Polly avait dans son estomac. Gloops. Poison. Oh, il y a un truc dans le poison. On dirait une capsule, quelque chose est écrit dessus. Je crois que c'est 3Z. Qu'est-ce que ça faisait dans l'estomac de Polly? Je te jure, si cette pilule c'est une pilule pour dormir, puis que le jeu de mots c'est 3Z parce que ça fait ZZZ, I swear. Oh la vache, comment tu après shot la mauvaise vanne. Quel genre de médicament est-ce? Allons demander au docteur d'oiseau. C'est peut-être en rapport avec l'état de Polly. Mieux vaut ne rien lui demander, je crois. Il l'a forcément remarqué, mais il n'a rien dit. À mon avis, il ne lui dit pas toute la vérité sur Polly. Si on lui montre la capsule, il pourrait essayer de s'en emparer. Oui, c'est vrai qu'il est assez louche. Dans ce cas, on va s'en occuper nous-mêmes. Bonne idée. À notre retour au cabinet, on demandera de l'aide à Apollo. C'est mieux, il va faire de la recherche. Elle qui conclut notre enquête dans le coin. Polly n'est toujours pas complètement réveillée. Ah, voilà le personnel. Ils vont pouvoir remettre Polly dans son bassin. Là, vous êtes en train de remplir le bassin. Ça prendra sans doute un moment. Je crois qu'on peut les laisser s'occuper de Polly. C'est dans leur corde. C'est vrai. Bon, où est-ce qu'on va? Interroger. Ce serait peut-être bien, non? Je viens d'ouvrir le bassin de spectacle. Avec un peu de chance, la police sera finie d'inspecter les lieux. Oh. Un nouveau lieu. Il est un peu maigre, le loup de mer, sur son radeau, non? Ça fait longtemps qu'il est là. Apparemment, c'est là qu'ils font le grand moustachio. En fait, ils ont embauché un mec qui savait pas manger pour le spectacle, puis ils l'ont oublié là, puis c'est ce qui est arrivé. Il est en avance pour Halloween? Oui, bah, pas tant, mais un peu. Et tu sais, c'est le 21 juillet dans leur histoire, actuellement. Oh, bah ouais, qui est pour eux, oui. La police a l'air d'en avoir terminé. Hé, hey, vous les avocats! Comment vous pouvez laisser Anne se faire arrêter? Je vous ai demandé de prendre soin d'elle. Je suis désolé de n'avoir rien pu faire pour empêcher son arrestation. Mais je vous promets que nous ferons tout pour la défendre. Désolé de m'être emporté comme ça. Si je peux faire quelque chose pour aider Anne, surtout dites-moi. Ouais, elle n'aurait pas un petit kick sur elle des fois, hein? Tu peux faire confiance à Bastionnet, Karim. Oh, ça l'aide. Et tu peux aussi compter sur mon kit d'analyse. Je vais analyser absolument toute la zone. Attends, je vais crevette. L'endroit est tout à toi. J'enquête très bien sur l'endroit, mais je dois aussi questionner M. Duflo. J'ai appris que vous aviez aidé Anne à faire le ménage, M. Duflo. J'irai pas jusqu'à dire que je l'ai aidé, je me suis juste occupé de leur contretemps. Anne s'en voulait que Polly veille tard, donc elle m'a demandé de lui donner un petit goûter. C'était plus léger que ses repas ordinaires, mais ça lui a plu à mon avis. Ah, en fait, je suis placé Polly sur le brancard. Le brancard? J'ai cru entendre un truc bizarre en fait, c'est pour ça. Enfin, moi, ça m'inquiète pas. C'est juste le fantôme, t'inquiète. Non, mais le voisin est revenu et il y a le choc qui sera amené aussi, donc forcément. Vous voyez son monteur en haut à droite? Ah oui. On peut y suspendre le brancard. Dans le bassin de spectacle, et c'était juste à deux côtés de la salle du bassin de l'Orc. Utilisez mon charge pour déplacer l'orque ou le matériel entre les deux zones. Non. Le rail qu'on a vu dans la salle du bassin va jusqu'ici, du coup. Pour
Pourquoi cette question? Vous l'inventez? Plus chaude pour une enquête aérienne, moi. Non, mais c'est Sandra. Je suis plus à l'aise sur la terre ferme. En fait, on peut activer le monde charge des mocs depuis la salle de bassin. Oh, c'est vrai. Je me souviens d'y avoir vu le tableau de commande. Désolé, mais je peux pas vous faire monter s'il y a personne de l'autre côté. Pas la peine de vous excuser. Ouf, c'était moins jeune. Si Mlle Bator et Polly sont innocentes, qui a bien pu tuer M. Sabor? Bah, je sais qu'elle n'est pas coupable, mais j'ai quelques doutes sur l'orque. Pardon, nous avons prouvé son innocence ce matin. Mais il y a quelques jours, cet orque a attaqué Anne ici au bassin de spectacle. J'ai vu l'orque attraper Anne dans sa gueule et serrer son corps en étau entre ses mâchoires. En étau? Oui, mais c'est son tour, souvent. Elle s'entraînait souvent à faire le tour du sauvetage. Mais Anne, ça faisait littéralement écraser. Elle pouvait même pas essayer de siffler. Je voulais voler à son secours, mais j'étais complètement paralysé. Je suis qu'un faible. Je ne peux protéger les gens que j'aime. Peu de gens voudraient se frotter à une orque, vous savez. Tout le monde a essayé de la dissuader, mais elle n'a rien voulu entendre. Quand on lui a annoncé que Polly pouvait la tuer, elle a dit qu'elle lui faisait confiance. Oui, alors que tous les autres pensent que Polly est une tueuse. On peut pas se fier à une créature qui parle pas. On sait pas ce qu'elle a dans le ciblou. Mais avec les orques et les dauphins, il est tout à fait possible de communiquer avec le cœur. On a rien lui présenté, lui. Peut-être, il faudrait regarder. Regardez-toi encore le calendrier, c'est quoi à dire là-dessus? Je vais le faire un peu tout le temps. Bah, il met le rocher. Moi, je dirais, ah, peut-être ça. Ah, c'est Conrad Dan. Ouais. Désolé, j'aurais dû vous le dire plus tôt. Je vais t'inquiéter pour Mlle Bator, si tu t'es fait compréhensible. Je ne sais pas pourquoi elle avait rendez-vous avec le capitaine. Mais je sais qu'elle ne l'a pas tué. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Ça, on le sait. On va le prouver au tribunal. Je vous préviens. Si vous vous foirez, je vous clash direct. Ah non. Et si je ne le sors pas en CD, je le chanterai absolument partout. Ah non. C'est quoi un clash? Ah, come on, Phoenix. C'est un rap écrit juste pour vous insulter. Garantie zéro respect. Aïe, ça promet. Aïe, chihuahua. Je suis nous aussi. Vous savez, je sais pas quoi vous dire. Donc là, je vois pas le rapport. Le téléphone à gauche, c'est quoi? C'était le truc qui avait été pour communiquer avec vous? C'est en visio pour qu'on pourra aller dans le procès. Ok. Ouais, mon fils recheck l'écran, j'ai envie de dire. Hop, pareil. Pareil pour la photo. Le. La pilule, ouais. Non. Pareil pour ça. Ouais, après le rouge. Pareil. Ouais. C'est tout, hein. Hi, un squelette à la dérive. Jetez-lui une boîte de sauvetage. Non, trop tard pour le sauver. Hé hé, c'est un faux. Vous avez vraiment eu peur? Un tout petit peu. J'ai surtout eu peur parce que t'as crié. Ce squelette est un ennemi qui s'est fait terrasser par les pirates de Polly? Non, c'est un informateur qui s'appelle Sagdos. Bon,
Anto, tu te rappelles pas la dernière fois que t'avais dit encore une blague, Marine, et hop. Oui, mais ça c'est pour Marine. Encore un jeu de mots aussi pourri que ça, attention. Ouais, au moins aujourd'hui, pour l'instant... À un moment donné... Aujourd'hui, on n'a pas eu de blague maritime pour l'instant quand même, j'essaie de dire. C'est normal, on n'a pas encore parlé à la Terre SA. C'est là qu'il y a un balance des étoiles. C'est sûr, c'est sûr. Ah, oh, oh, oh. Remets un peu dans ton contexte, tantôt. Les fringants est plein d'entrain, mais personne ne sait vraiment de quel côté il est. Si j'ai bien compris, il est vivant dans le spectacle. La piscine. Viens plus ce bassin, il est immense. Tu dis que c'est un grand moustachio. Ce bassin fait la même profondeur que celui de l'orque. On travaille les tours au bassin de l'orque, puis le spectacle est lui ici. Vous connaissez le grand moustachio? Un peu, mon dieu, mais je ne l'ai vu qu'à la télé. Tout ça est un peu nouveau pour moi, je n'ai jamais vu le spectacle. Athéna est une vraie fan, elle a vu l'enregistrement au moins 1 million de fois. J'adore le spectacle et la mer, le fait d'être ici me donne l'impression d'être en vacances. Surtout que c'est assez l'ouvert, on entendrait presque le bruit des vagues. T'aurais piqué une tête dans le bassin? Je peux, pour de vrai? Dans ce cas... Hein? Vous êtes bloqué ou quoi? Vous pouvez pas nager ici! C'était une plaisanterie. Oui. Bien sûr, j'ai blagué moi aussi. Elle était vraiment prête à plonger là-dedans. Ouais. Cette pancarte, c'est Mademoiselle Pator qui l'a dessinée. Eh ben, comment vous avez deviné? Ouais, c'est celle du nouveau spectacle. Va se lancer dans le ménage. Elle a pas été laissée sécher. Je ne... Je vais la surveiller. Je vais la surveiller du coin de l'œil tout en... Oh. Attends, te lagues un peu. Ah, ok, je vois. C'est bon. Eh, mais ce serait pas le rocher en forme de crâne là, à gauche? Ah, oh, c'est la gueule. Monsieur Duplos, ce rocher faisait-il partie du nouveau spectacle? Je crois bien que oui. Si c'était décidé le nouveau spectacle, que diable faisait-il dans le bassin de l'orque? Cette pancarte est vraiment superbe avec toutes les étoiles scintillantes. Je pense que ce sont des étoiles de mer. Plus logique pour un spectacle de pirates. Certaines ressemblent plus à des feuilles qu'à des étoiles. À droite, on dirait des palmes. Ouais, je sais. Des canards ou quelque chose. Ou de pagois. Ouais, ou pagois, ouais. Ils sont là, les manchots. Ouais. Anne a passé beaucoup de temps à faire cette pancarte. Pas étonnant qu'elle soit fâchée. Après ce qui s'est passé. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai demandé des précisions. Je pense qu'on a à peu près tout examiné ici, mais... J'avais dit qu'elle m'a dit le batteur était fâché. Est-ce en raison du nouveau spectacle? Oh, j'aurais dû me taire. Bon, fais comme si je n'avais rien dit. J'ai demandé que Capeline refusait qu'elle participe au nouveau spectacle. De quoi? Mais pourquoi? Aucune idée. C'était qu'une rumeur. Je sais pas trop si c'était vrai. Mais c'est sa mort quand t'es monté les spectacles tout seul? Ça m'a mis le bâtard, le spectacle perdrait tout son sens. On tomberait sur un os là. Ou plutôt sur une arête. Hey, Anto! Quoi? Et je veux le mot là, sur la mer, avec tout ça, les poissons. Merde! Tu t'y mets aussi maintenant? Anne voulait raviver l'ancienne version du grand moustachio. Mais Capitaine n'est plus là. Alors qui sait ce qui va devenir le spectacle? Mais c'est Nick, tu trouves les empreintes bizarres.
Spell. J'ai fait l'oublier, mais question d'analyse, elle se connaît. Qui est-ce? Ah ben tiens. Monsieur Lame Noire, que faites-vous là? Ouais, toujours enchaîné. Oui. Il peut se promener, lui. J'avais affaire dans le parage. Moi, environ, pardon. Monsieur Lame Noire, si c'était pour venir, je me suis dit que ça lui ferait prendre l'air. C'est nous que vous vouliez voir? Non. J'essaie de m'entretenir avec le soigneur ainsi présent. Karine Duflo, je t'appelle à comparaître en tant que témoin d'accusation dès demain. C'est une blague? Je ne veux pas témoigner contre Anne, sacre! Ce que vous voulez m'importe guère. À présent, je vous prie de me suivre. Bah, si je pars, qui va nourrir l'orque? Notre soigneur a trop peur d'elle pour l'approcher. Je vais pas peut-être donner un coup de main. Je m'inquiète pour Polly. Et comme ça, je pourrais rester un peu avec elle. Je peux la nourrir si nécessaire. On fera une télévision. Je peux absolument t'aider. J'ai l'impression que Perse veut s'occuper de Polly et s'assurer qu'elle va bien. Hé, hey, Comète. Tu délires ou quoi? Cette orque est dangereuse. Et ça va aller. Je suis contente de pouvoir t'aider. Ah, j'ai oublié. Je n'ai pas de vaisseau mobile. Je ne pourrai pas vous contacter si je dois faire une télévision. Karim, je peux t'emprunter le tien? Comment? Bien sûr, Grevette, c'est ce que tu veux. C'est la moindre des choses, vu tous les efforts que tu fais pour moi. Je ne sais pas si je vais témoigner, mais je vais au moins voir ce que la police va me dire. Qu'on a bonne volonté! À présent, c'est l'heure de la justice! Et d'une réunion stratégique! Venez, Monsieur Wright, retournons à notre enquête. Vous perdez votre temps. La police a déjà mené une enquête exhaustive. Vos efforts sont parfaitement vains. Rien de ce qui peut aider notre cliente n'est vain, Monsieur le procureur. Aujourd'hui, une orque et demain, un dator. Avez-vous l'intention de les sauver tous deux? Vous dites avoir foi à vos clients. Mais je crois que vous faites surtout ça pour l'argent. Pourquoi ne pas admettre que vous cherchez que votre propre profit? Je comprendrais bien davantage une telle franchise de votre posture creuse et bien pesante. Comment ça pour notre profit? On n'est pas comme ça, figurez-vous! Laisse tomber, Athena, n'entre pas dans son jeu. Bon, on va y aller, monsieur Lanoir. La justice est pour moi! Il se prend pour qui, celui-là? Je reviens, il me faut un peu d'eau pour refroidir ma colère. Oh oh, il a mis de l'eau sur l'âme noire. Ça n'a pas l'air de le gêner. La mode chez les procureurs a l'air d'être passée du joli jabot au noir au blanc. Noir et blanc. Ah, au fait, tu n'avais pas trouvé des empreintes étranges, Pearls? Si, viens voir. Parle-moi de ta grande découverte. Eh bien, je sais pas si c'est important que ça, mais... Tu vois les empreintes bizarres sur l'échelle du bassin, là-bas? D'accord, et qu'est-ce qu'elles ont bizarres? Elles se trouvent du côté gauche de l'échelle, mais ce sont les empreintes de la main droite. Normalement, on tiendrait le côté gauche d'une échelle de la main gauche, non? En plus, je crois qu'elles ont été faites du haut de l'échelle, en le tenant de la main droite. Maintenant que tu dis, c'est très étrange. À qui peuvent appartenir ces empreintes? Je les ai pas comparées avec les empreintes du fichier. Et ce serait... Je les ai comparées avec les empreintes du fichier, et ce serait celle de Karim. Comment ces empreintes ont-elles pu arriver là dans une telle position? Non, monsieur Nick, t'as jeté utile? Absolument, merci beaucoup, Plurce. Je sais pas encore si c'est lié à l'affaire, mais je vais le garder dans un coin de ma tête. Hé, je suis sûr que l'inspecteur Brian n'a même pas vu ses empreintes. La police n'a pas dû inspecter cet endroit avec autant d'assiduité que la scène du crime.
tu as raison. Je suis sûr qu'ils sont passés les lieux du crime au ping fin. En revanche, ils n'ont pas pu faire un relevé pour chaque centimètre carré de l'aquarium. Mais nous aussi, grâce à Pearly, et maintenant, on a une nouvelle info. Oh, Athéna, tu vas me faire rougir. Tiens, tiens. Eh oh! Des oiseaux qui te chargent. Eh, voilà, parasite, il faut qu'on l'attrape. T'inquiète pas. Elle reste sagement sur mes genoux. Ah ah, au moins on a réussi à la retrouver. C'est vrai qu'on est à sa recherche. Oui, c'est ça, merci Pearly. C'est une pointe de jalousie que j'entends. Ouais. Moi, je vais aller. Brutus is hungry. Anyone has food? 3. D'accord, bonne chance Pearls. Et encore merci. Bon, je pense qu'on a terminé ici. Où veux-tu aller maintenant? On peut demander à Paul de jeter un œil à notre preuve mystère? Ah oui, c'est vrai. On ne l'a pas encore fait. Bonne idée, faisons un tour au cabinet. T'as vu, il a rangé son bob, son bonnet, Félix? Oui. Ah, puis on pourrait croire que le trophée a une tête. Ah, ben voilà comment se passe l'enquête. Pas trop mal, mais il nous manque encore certaines réponses. Je vous assure, utile, n'hésitez pas. Tu nous aider pour l'enquête, Apollo? Bien sûr. C'est quoi que... C'est quoi... Là, j'arrive pas à lire. Oh, lag. Ah, oui. Sans quoi voulez-vous que je me penche? Ça va? Ok. Voyons voir, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à lui confier? Bon. Avez-vous des cabinets dans votre cabinet, Étienne? Bon, un ange passe. Oh, je sais, patron! On pourrait demander à Apollo de regarder nos preuves. Bonne idée, il remarquera peut-être quelque chose d'utile. La bleue, on a compris. Apollo, j'ai besoin de ton aide. Tu travailles pour moi, que dois-je faire? Pourrais-tu faire analyser cette capsule? Je pense que c'est une sorte de médicament. Ça roule, Monsieur Wright. Je vais l'amener dans un hôpital pour que quelqu'un jette un œil. Alors, bon, je crois que la clinique Chambouzeu n'est pas loin d'ici. Chambouzeu! Et attention, vous mettez les pieds, hein. Attention, pas croiser certaines personnes, hein, surtout. Bonne chance, Apollo. Surtout si vous êtes une femme. Et merci. Et mets-toi le barbeur du service. Vous pensez qu'on laissera voir Anne maintenant? C'est vrai qu'on attend depuis un petit moment. Direct sur le centre de détention. N'oublie pas qu'on a aussi quelque chose à lui remettre. Ouais. Bon, on se prépare au jeu de mots. Allez, patron, un sourire! Il faut qu'on remonte le moral de notre cliente. Ah, j'admire ton enthousiasme. Ouais, moussaillant! Merci d'être venu! Haha! Mais de l'inquiétude! Je suis gay comme un morceau! Une moustache, idiot. Peut-être qu'il essaie de nous remonter le moral, en fait. Ah bah si elle se calme, ça va peut-être me plaire. Oh, on dirait que mon idée a coulé à pique, j'essaie de ne pas t'abandonner. Allons, allons, on respire. Elle a eu la même idée, visiblement. Elles ont eu la même idée, visiblement.
sommes ici pour vous proposer de vous représenter si ça vous intéresse. Quoi? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas? Monsieur Lenoir a dit que vous laisseriez tomber. Et voilà que vous répondez à la bouteille de la mer. Ça me rend si heureuse. C'est vrai qu'elle s'est mise à pleurer. Mais non, voyons, on ne va pas vous laisser tomber. Ce n'est pas Anne, ne pleurez pas. Éteignez-vous un peu toutes les deux. Je suis bon pour une crise de larmes. D'accord. Allez, ça va aller maintenant. Merci d'assurer les séances. Avec plaisir. Bon, maintenant que vous vous avez retrouvé le sourire, nous avons quelques questions. Le soir précédent le meurtre, vous êtes-vous entré seul dans la salle du bassin? Oui, le 9 juillet de 3h à 6h du matin, j'étais en charge de ménage et du rangement. Le capitaine devait me retrouver à 4h pour m'aider, mais... on s'est disputé. Je voulais pas le voir, donc je suis arrivé une heure plus tôt. En quoi consiste le nettoyage de cette pièce? Ayant toute chose, on a déjà déplacé pour lui jusqu'au bassin de spectacle. Monsieur Dufour nous a bien dit que c'est là-bas qu'il s'était occupé d'elle. Après ça, j'ai vidé le bassin et remis le matériel en place. Et le capitaine n'est pas venu? Non, il devait m'en vouloir. J'aurais dû m'excuser au lieu d'être aussi révèche qu'une anguille électrique. Bon, ça c'est pas un jeu de mots, c'est une comparaison. On a réussi à prouver l'innocence de Polly, mais on ignorait que ça provoquerait votre arrestation. Ah, ce qui compte, c'est que Polly ça s'est sauvé. Je suis contente de vous avoir trouvé. Vous êtes... Hein? Tu dis tantôt, hein? Vous êtes fabuleux! Tous les deux. Je suis contente aussi. Oh my god, comment se fait-il? Vous êtes génial, Anne! Allons, Anne. Un partout. D'accord? Non, un partout, c'est pas la même personne. Voilà, c'est par les terres. C'est par blé, c'est bon. Ouais, bon. Je n'aurais jamais pensé que les tours de police seraient manipulés pour couvrir un crime. Veuillez-vous nous parler du tour de sauvetage? Oui, pas de problème. Il y a un petit haut-parleur sur les vêtements du capitaine et les mannequins d'entraînement. Ce haut-parleur émet des ondes sonores. Quand on donne un ordre avec le sifflet, police se sert des ondes sonores pour trouver la personne à secourir. Je vois. Qui d'autre connaît ce tour? Tous les membres du gagnant. Mais ça prend un peu de temps de maîtriser un tel tour. Alors, Athéna à gauche, Anne à droite. C'est bon, c'est noté. Une personne qui n'est pas dresseuse de formation aurait du mal à y parvenir. C'est pourquoi Anne est suspectée. Les polis ne peuvent faire qu'un tour par sitiel. Par conséquent, elle ne peut pas réaliser deux tours en même temps. J'ai capté un truc là, Otto. Quoi? Polly, elle doit avoir aussi des instructions qu'elle a apprises il y a un an par l'ancienne dresseuse. Peut-être. Si une personne connaissait les anciennes instructions, il pouvait manipuler l'orque. Sans que la nouvelle sache qu'il y a des instructions en cours. Ouais, hey, je pense. C'est bête, animal. Ah, il peut y avoir un truc comme ça. Chaque qui se fera. Un instant, elle ne peut pas chanter tout en faisant le tour du sauvetage. Quelle est cette chanson qu'a attendue Madame Vernier alors? Oh, Monsieur Wright, j'ai failli oublier. On doit rendre quelque chose à Anne. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai dans l'épreuve. Il faut donner à Anne l'objet que l'inspecteur Brian nous a remis.
L'inspecteur Brian vous a demandé de vous remettre ces médicaments. Ah! C'est l'intérêt de fond de cale a eu l'audace de me faire un cadeau! L'infâme pas barbe! Je te fais regretter d'être né! Oh garde! Oh, une bataille de pirates! Arr! Et si tu cherches la bagarre, tu vas l'avoir! Vous n'avez pas gardé votre petit spectacle improvisé pour une fois? Oui, désolé. Merci pour les médocs. Le truc qui cloche. Au fait, à quoi sert-il? Je suppose que je dois vous mettre au courant. J'ai un problème cardiaque. Problème cardiaque? On va tout de suite vous amener à l'hôpital. On se détend, Athéna. Souviens-toi qu'elle est en garde à vue. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas si grave que ça. Je dois juste me faire opérer. Pas grave! Une maladie cardiaque, c'est très grave. On a des raisons de s'en faire. Le capitaine était encore plus en colère que vous avant-hier. On était tellement énervé. J'avais peur que la dispute se transforme en combat de naval. Combat de narval. Waouh, disons, c'est cherché celle-là. Ça devait être épique. Plus j'ai interrogé sur cette altercation. Pourquoi vous disputiez-vous avec Monsieur Sabor? Le capitaine savait que j'avais un problème au cœur et il s'inquiétait pour moi. Il ne voulait pas que je participe au nouveau spectacle. Regardez, je suis même pas sur la nouvelle affiche. Oh, c'est vrai ça, il n'y a que Polly, son nouvel adversaire, Moustache Rouge. J'étais tellement énervé d'écouter. J'en pleurais encore pendant le ménage. Et je me suis pas calmé avant d'avoir vidé l'eau du bassin. Et puis vous savez quoi? Poulet a fait un petit tour pour essayer de me remonter le moral. Elle a rejoué la scène où elle triomphe de la pieuvre géante en lui faisant un smash. Elle a lancé le ballon si fort qu'elle a cassé l'un des tentacules de la pieuvre. De façon très théâtrale. De façon très théâtrale de remonter le moral d'une amie. Voilà la raison de notre dispute. Il ne voulait pas que je fasse partie du nouveau spectacle. Mais hier, je tenais vraiment à y participer. C'était le 20 juillet. L'anniversaire de la mort de l'ancienne dresseuse. Alors, il y a un double jeu de mots. Vous êtes d'accord? Elle est mignonne. Elle est morte. Oh! C'est d'elle dont parlait Julia Verny dans son livre. Oui, c'est une marine des îles. Je voulais expliquer au public que c'était un accident et non un meurtre. Et c'est pour ça que je voulais, que je devais faire partie de ce spectacle. Pendant le nettoyage, j'ai placé le rocher en forme de crâne dans le bassin de l'orque. Hein? Pourquoi avoir fait ça? C'était un accessoire essentiel. Je pensais que ça annulerait le nouveau spectacle. Et que du coup, on pourrait revenir à l'ancien spectacle. Eh ben, si je mesure ce radical. Ouais, bon, finalement, ça a causé la mort de quelqu'un. Bah, pas tout à fait. L'eau qui est tombée dessus, mais quel rocher était là ou pas, il serait mort de toute façon. Hein. Ouais, bon, ouais. C'est pas de chance dans ces histoires, ça tombait dessus. Anne a donc placé le rocher dans le bassin de l'orque pendant le nettoyage. Il y a du sang sur ce rocher. La victime est sûrement décédée après le déplacement du rocher. Théorie. Et si le mec il était tombé en fond de l'autre bassin du spectacle et non au fond du bassin de l'or sur le rocher? Hein? Parce que les deux bassins font la même hauteur, je rappelle. Il aurait été vidé, l'autre? Peut-être. Pour justement organiser le spectacle. Placer les trucs dedans. Parce que si Anne le sortit de là, forcément il est vide à un moment avec le rocher dedans. Moi je pense que la personne elle est morte dans ce bassin-là, je suis sûr. À quelle heure avez-vous fini de nettoyer le bassin? Eh messieurs tous, il va être environ 6h du matin.
C'est vrai qu'elle a pas vu le... Hydrate. Anto. Ouais, quoi? Je t'ai vu. C'est-à-dire, oui, je suis pris hydrate. Non, t'as muté. Oui, mais c'était pour parler à Simon. Ah, ok. Coucou, monsieur Gudule, coucou à toi, merci pour le lark. Une belle ambiance ce matin. J'allais dire qu'en plus, Anne n'a pas vu le capitaine de tout le reménage. Donc c'est vrai que ta théorie est intéressante. Mais, si le bassin était vide de l'orque, il devait forcément nager sur le coup dans le spectacle. Ouais, mais on sait pas si le bassin de l'orque était vide. Il serait pas resté suspendu sur son brancard, sur tout ce temps, le Poskai, quand même. Non, mais... Bravo. La personne qui a vu les victimes à préciser doit être l'assassin. La reine des îles est la dernière chose qui vous a précédé? C'est ça. Elle avait un nom de plus que moi. Elle m'a appris à faire des tours à Polly. Certaine que Marine et Anne s'entendaient à merveille. Elle m'a aussi montré comment faire les signaux pour le chant et le tour de sauvetage. Après sa mort, j'ai juré sur cette amulette. J'ai juré qu'un jour, je redeviendrai une grande dresseuse comme Marine. C'est quoi cette amulette? Un souvenir de Marine. Elle la portait constamment. Apparemment, elle et son petit ami avaient des amulettes assorties. J'ignorais l'identité de ce type, donc j'en ai pas pu la lui donner. Anto, tu la vois venir, la gros comme la maison? De... Bah Karine? Bah non. Il est nouveau, Karine. Il est nouveau, il vient d'arriver, ça peut pas être lui. Non, mais sauf... Non, mais... Sauf si avant, il était jamais allé au bassin avant. Que pendant que Marine travaillait. Non, c'est pas lui. En plus, il a clairement un kick sur elle. Son bâton, il est jeune, tout ça. Ça m'étonnerait grand que ça soit lui. Je m'en suis jamais séparé. Que personne n'oublie jamais Madame des îles. La capitaine avait lui aussi un souvenir de Marine, son talkie-walkie. Ah bon? Avait-il un talkie-walkie sur lui? Je vais montrer les photos de la victime à Anne pour voir ce qu'elle en pense. Ok. La victime n'avait pas de talkie-walkie au moment de sa mort. Hein? J'ai parlé au capitaine par talkie-walkie avant d'entamer le ménage. Pourtant, on ne voit pas de talkie-walkie sur ces photos de la scène du crime. Je ne comprends pas. Le capitaine gardait toujours son talkie-walkie sur lui. C'est vrai que le remplacement du sabre est vide. Et si le coupable s'en était emparé? C'est possible. Mais à quoi bon? J'ai organisé les éléments qui concernent la victime dans le dossier de l'affaire. Le capitaine se séparerait jamais du Tokiwoki. Le Tokiwoki qui utilisait Marine jusqu'à son décès. Dans le spectacle, l'orque est remonté avec Marine dans la gueule. Elle a laissé des traces de dents sur le Tokiwoki de Marine. Le capitaine voulait constamment garder ce Tokiwoki sur lui en guise de souvenir. La victime tenait énormément à cet appareil. Mais, pendant que le capitaine est décédé, lui aussi, je suis la seule à pouvoir protéger Polly du veto du bateau. Protéger Polly du veto du bateau? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Entendez-vous par protéger Polly du veto du bateau? Je veux parler d'Anthony d'Oiseau. Depuis l'accident dans le passé, il n'est plus le même. À la mort de Marine, il y a des qui voulaient euthanasier l'orque. C'est lui son mari. Avant. Bah, son compagnon. Avant, il était totalement réfractaire à l'euthanasie des animaux. Euthanasier l'orque? Mais c'est terrible! Tout le monde pensait que l'orque avait tué Marie. Personne d'autre que moi ne croyait en elle. Le bateau du bateau a toujours un poison pour euthanasier l'orque.
Brutus is in the house. C'est le copain de Marine qui est mort, puis là, depuis qu'il est mort, il veut tuer l'autre pour se venger ou whatever, puis ça se... c'est lui coupable. C'est lui qui a organisé tout ça, puis qui a tué l'autre pour je sais pas encore exactement quelle raison. Je dis, c'est ça qui sort. Elle avait 15 ans de plus, sous le coup, elle avait dit. Donc, elle avait 22 ans à l'époque. Elle avait 21. Et lui, en a 40. Bon, goût, bonjour de quel âge, disons, toi. Lui, c'est vraiment le plus plausible. Toujours impossible de prendre des heures sur la main. Si Polly avait été déclaré coupable au cours du procès d'hier, ça se serait servi. Et l'a tué immédiatement après le procès. Il était proche du capitaine de la marine, vous savez. Je pense qu'il déteste Polly. Bon, on a pu le comprimer, je pense. Ah non, il est là. Et ouais, pas beaucoup de nous effets, je pense pas qu'elle. Et mon dis, ton affiche. Ça vous dirait de participer au Grand Moustachot? Je vais jouer le public. Bien sûr, on organise même des auditions pour les gens qui veulent participer. On gérerait quoi comme rôle? Voyons ce qu'on a. Les rôles de l'hippocampe bleu et des mollusques jaunes sont des... Évidemment. Il y a un côté Julia Verne, non? Bizarrement. Jaune et bleu. Athéna la mollusque et Phoenix hippocampe. Gigalo change Félix. Regarde nos couleurs, je ferai l'hippocampe. Et moi, le mollusque? Non, mais ça va pas, je refuse! Les mollusques peuvent être très gracieux, Athéna. Ah bon? Gracieux? Dans ce cas, c'est d'accord. Oh la pauvre, elle est manipulée. C'est trop facile ouais. Avec elle. Haha, j'espère qu'on pourra vraiment faire un spectacle ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'où? Peut-être son calendrier, justement. Je sais pas où le rocher. Carte. Ok, ça c'est la même. En plus, c'est la carte d'accès après. Bon, c'est la fois que j'ai genre, ah, je l'ai perdu. Non, ok. Et votre calendrier, Anne. Quoi? Non, le mien est resté à l'aquarium. Ah bon? Monsieur Dufay a trouvé celui-ci dans la salle de repos. Je pensais être la seule membre de Galion à les utiliser. C'est possible. Là où la propriétaire de celui-ci avait rendez-vous avec les victimes. La personne mystère pourrait être notre coupable. Prochaine étape, trouver à qui appartient le calendrier. Tu veux jouer les cloportes, t'inquiète, les cloportes sont gracieux. Le problème, c'est qu'ils ont pas une bonne paye. Du coup, t'as reviens. Pourquoi, Anto? Pourquoi? Ah. Parce que les cloportes comme que les clopinettes. Il reste sans doute enquêter un peu sur le docteur d'oiseau. Patron, allons voir le docteur d'oiseau. C'est exactement ce que je voulais faire. On a un tas de questions à lui poser. Elle est longue l'enquête, je trouve. Ah, voilà Pearls. Et Parasite. Qu'est-ce que tu fais là? Parasite est parti là-bas et je l'ai suivi. Ah, c'est vrai, on était censé lui ramener Parasite. J'avais complètement oublié. Oh, Parasite! Ah! Ça va pas, non? Ah, c'est tout de suite! Ah, c'est tout de suite. Elle est dingue, celle-là! Elle aurait pu me blesser au cerveau! Mon cerveau de génie! Docteur d'oiseau, tout va bien?
Brutus is in the house, woof. C'est encore vous. Je vois que vous m'avez ramené Parasite. Parasite a l'air d'avoir une dent contre vous. Elle me déteste. Elle croit que je vais voler sa progéniture. Ah bah, tu m'étonnes. Parasite a l'air fou, heureuse. Est-ce qu'elle joue avec Pustule? Ah! Arrête le bocap tout de suite! La mère biologique et le père d'adoption en pleine dispute au sujet de la garde de leur fille. Pouvez me tenir un parasite deux minutes, s'il vous plaît? D'accord, je vais essayer. Qu'est-ce que vous faites au juste? Parasite vient de régurgiter quelque chose. Oh, je sens de quoi nourrir Parasite. Ces manchots conservent la nourriture pour leurs petits dans leur estomac. Il la digère en partie afin de la rendre plus facile à manger. C'est fou, vous en savez vraiment un rayon sur les animaux. Vous essayez encore de me provoquer, jeune fille. Évidemment que j'en sais un rayon. Je suis vétérinaire, figurez-vous. Parasite est le mauvais poil. Encore plus que d'habitude, je veux dire. Parasite va bien? Un instant, j'examine. Voyons, ta fille a l'accoutrement bizarre. Pourriez-vous retourner Parasite sur le dos? D'accord, Parasite, je te tourne sur le dos, ok? Bon, ben je pense qu'on vient de comprendre comment il a fait les pattes sur son affiche. Est-ce que c'était prévu ou pas que tu étais dessus? Ouais, ça c'est une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a le dessous des pattes roses. Oh non, qu'est-ce que c'est comme maladie? Emmenons-la voir un médecin. Mais t'es con, Otto? C'est pas moi qui dis ça. Athéna, ressaisis-toi, tu te rappelles que le docteur d'oiseau est vétérinaire? D'après ce que je vois, elle a juste marché dans un truc rose. Manquait plus pour son estomac. Il y a quelque chose à l'intérieur. Allez, hop! Alors là! Ça fait combien de temps qu'elle en tout cas, ouais. Ouais, bref, on est d'accord. Ce manchot mange tout et n'importe quoi. Mais où est-elle allée chercher ça? Sacrebleu. Je vais devoir m'entretenir avec Karine. Docteur d'oiseau, prenez-nous voir ce que comptait l'estomac de Parasite. Quoi? Plus tard, je suis occupé là. Occupé? Mais vous ne faites qu'observer votre machine bizarroïde. Je regarde à quel moment Parasite a ingéré ce corps étranger. Il est scotché à son appareil, il ne fait plus que toute attention à nous. J'ai bien envie d'en savoir plus sur son système de surveillance. Quel est ce système de surveillance que vous avez là? Il regroupe les dossiers médicaux et électroniques de toutes les créatures de l'aquarium. Avec ce système d'enregistrement vidéo, je peux les surveiller à toute heure de la journée. Je n'en dirai pas plus, le reste est strictement confidentiel. En règle générale, les dossiers médicaux sont un historique de données et examens passés. Je dirais qu'ils permettaient de ne pas quitter les créatures des yeux. Bien vu, monsieur l'avocat. C'est difficile de vous berner à ce que je vois. Pourquoi cherchez-vous à me berner? Ah, que deux! Il est gentil. C'est super coriace. Ça ne regarde que moi. Ah, ça ressemble à l'allumette que Béan. La mulette. Oui, c'est ce que je dis. Docteur d'oiseau, reconnaissez. L'allumette. Mais non. Si. Non. C'est amulette. Je sais que t'as entendu allumette, mais je te jure que j'ai dit amulette. Docteur d'oiseau, reconnaissez-vous cette amulette? Étienne, clip ça rapidement et l'enregistrement nous le dira la vérité. Pas besoin de clipper, je sens venir voir la VOD. Ah, mais je veux la réponse immédiatement. Hein. La VOD, c'est pas tout de suite. Hein. Le clip, si.
Tu peux regarder tout de suite. Le clip, c'est instantanément. La VOD, c'est quand tu l'auras publié. Non, la VOD, tu peux, même pendant que je suis en train de faire le signe, tu peux quand même aller voir puis regarder, revenir avant puis regarder ce que j'ai fait. Bon, oh, bah, Étienne, on attend le verdict. Vous allez mettre. Une amulette? Hé! Ne touchez pas! Elle appartenait à Marine! Que faisait l'amulette de Marine dans l'estomac de Parasite? C'est curieux, lorsque Anne en a parlé tout à l'heure. Elle a mentionné posséder l'amulette de Marine. Mais cette dernière est toujours au centre de détention. Oui, ils ont aussi appris que Marine et son petit ami avaient des amulettes assorties. La deuxième amulette doit donc appartenir à ce dernier. Docteur d'oiseau, cette amulette est-elle celle du petit ami de Marine? J'en veux de parler de la vie privée d'une défunte. Je ne dirai rien. D'accord, d'accord. Il est à fleur de peau dès qu'on parle d'elle. Marine des îles. C'était l'anniversaire de sa mort hier, n'est-ce pas? Oui. Elle a été tuée par l'orque. Deux secondes, je me suis. Ok. Vous pensez vraiment que Polly a fait ça? Je n'y crois pas, moi. C'était peut-être un incident, qui sait. Mais le fait est qu'elle a tué Marine. J'étais présent l'an dernier, le jour de sa mort. J'ai vu l'orque mordre Marine. Ça peut pas être lui, le petit ami, Anto. Non, mais... Parce que... Anne ne sait pas qui était le petit ami de Marine. Mais comment tu sais qu'elle sait pas? Tu sais pas? Elle ne l'a juste pas dit. Elle a dit, dit qu'elle connaissait pas le petit ami. Il a dit ça? Ah, si! Si le vétérinaire était déjà là. J'ai vu l'orque mordre Marine. Mais vous croyez pas que cet instant cache une toute autre vérité? Même que Polly est la seule à savoir ce qui s'est réellement passé l'an dernier, hier. Bon. T'inquiète, Thomas. Parlez-moi de votre système de surveillance. Vous voulez vraiment pas me laisser tranquille, monsieur l'avocat? Ce ne sont que des dossiers médicaux numériques et des enregistrements de vidéosurveillance. Grâce à eux, je peux surveiller les animaux à toute heure de la journée. Vous mentez. J'ai la preuve que ce système ne vous permet pas de surveiller constamment les animaux. Ah, l'heure d'ouverture, ouais, ça marche que quand l'aquarium est ouvert, j'imagine. Vous avez pensé? La caméra de surveillance commence à enregistrer à partir de 10h. Alors, comment pouvez-vous tenir les animaux à l'œil toute la journée? Bon, vous avez raison. Je me suis mal exprimé. Certes, je peux pas les surveiller à tout moment. Mais si je remarque quoi que ce soit sur la vidéo, je peux agir immédiatement. Et quand j'examine un animal, j'arrive à savoir rapidement ce qu'il a. Ouais, il est très sûr de lui. Mais vous ne pouvez pas faire ça à toute heure. Je suis présent à l'aquarium la plupart du temps. Et je peux examiner un animal n'importe où et n'importe quand. N'importe où. Encore un mensonge, ça. La carte. Je vous prie qu'il y a un endroit auquel vous ne pouvez pas accéder. Les seules personnes ayant accès à la salle du bassin de l'orque sont feu le propriétaire et Anne. Alors comment pouvez-vous affirmer que vous sauvez tous les animaux? Oh! Sacre bleu, vous étiez au courant pour la carte d'accès? Ah, je sais pas ce qu'a fait Pustule, mais il a fait un sale coup là, n'est-ce pas?
La sécurité de l'orque a été renforcée l'an dernier, par raison de précaution. Et en raison des protestations d'Anne, je n'ai pas pu avoir de carte. Elle voulait protéger Polly contre lui. Vous surveillez les animaux avec un système strictement confidentiel. Mais j'insiste pour que vous en appreniez plus, vous m'en appreniez plus à ce sujet. C'est vous qui essayez de me provoquer maintenant? Mais soit, j'accepte, vous avez gagné. Je vais vous parler du système d'organisation de données écologiques du Galion. À quoi sert votre machine au juste? C'est un système d'organisation de données écologiques conçu aux États-Unis. Je l'appelle l'IDIO. Qu'en dites-vous? Pas mal comme nom, hein? L'IDIO? Comme l'insulte? Non, pas du tout! C'est le nom que j'ai donné au système d'organisation de données. L-I-D-I-O-T. Ça signifie logiciel d'inspection à distance et d'observation en temps réel. Sacré nom pour le logiciel. Je me demande s'il est crypté et protégé par un mot de passe. L'IDIO recueille des données via les capteurs placés sur les sujets ou à proximité. La température, le rythme cardiaque, les bruits, etc. Il récolte ces informations 24 heures sur 24. Je reçois toutes ces données sur mon terminal et les appareils que vous voyez là. Impressionnant! L'IDIO a l'air incroyable! Parasite porte un capteur, elle aussi? Tout à fait! Le type de capteur et son emplacement dépendent de l'animal. Les manchots, on leur accroche... On leur a accroché au badge à la base de leur nageoire. Mais l'idiot ne peut pas me dire où se trouve la parasite quand elle se carapace. Vu qu'il est fait de mettre les capteurs sur l'orque ou les poissons, ils sont dans les bassins. Les endroits où les créatures ne vivent pas, comme le bassin de spectacle, n'en comportent pas. Voyez plutôt. Il me dit à quelle heure parasite a avalé le corps étranger. Aux environs de 4 heures le 20 juillet. Étrange. Même moment où Anne faisait le ménage. Elle n'a pas voulu de mon poisson parce qu'elle avait trop mangé la veille? Mais Polly l'a mangé, c'est déjà ça? Polly a mangé la nourriture d'un autre animal? Bizarre, elle n'a jamais fait ça. Puis elle est tombée malade. J'ai jeté un œil à ses données. Tiens, elle n'a rien mangé entre la nuit du 19 et hier après-midi. Parasite se faisait un petit enquête nocturne pendant que Polly avait l'estomac vide. Ah, qu'est-ce qu'il faisait alors, Karim, il devait pas nourrir l'animal pendant le ménage? On dirait bien, voyons voir. Elle mange normalement du... Ah, il n'y avait pas de capteur dans le bassin. Si, dans le bassin de l'orque, si. Oui, mais pas le passage du spectacle. Pas dans ce jeu. Il était à ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, là-bas. Elle mange normalement depuis hier après-midi. Maintenant que j'y pense, Emile était censé nourrir Polly hier matin. C'est qui, Emile? Bah, Emile Sabor. Ah oui, ok. J'ai oublié. Oh bah alors, Otto! Ils se connaissent bien, qu'ils se tutoient, c'est pour ça. Il est sans doute décédé avant de pouvoir le faire. Je m'inquiète pour Polly, je vais garder en tête les données de l'IDIO. Je te jure que non. T'aurais pas dû prendre la meilleure acronyme. Le plateau à lui? Non, Anto. Plateau scénariste. Mais pourquoi n'a-t-il pas voulu nous parler de l'IDIO? Parce qu'il est idiot. Voilà. Dans le jeu d'oiseau, pourquoi nous avez-vous caché l'existence du système IDIO? Eh bien, c'est un logiciel sécurisé qui a été approuvé par les autres pays. Je me demande c'est quoi ce monde anglais. Mais il n'a pas encore été légalisé dans le nôtre. C'est pourquoi j'apporte toujours mon terminal avec moi où que j'aille. Je ne veux pas que la police fourre son nez là-dedans. Les deux du village. Que vous enfreignez la loi. Et je vais garder ça secret. Ça causerait des problèmes à l'aquarium. J'avais la permission d'Emile. Il pensait que le bien-être des animaux primait sur le reste. Nous l'avons caché aux autres employés pour les protéger d'éventuelles retombées judiciaires. Mais il n'empêche que la loi l'interdit.
Oui, mais dans certains cas, on peut sauver des vies en enfreignant la loi. Vous préférez que nous mettions en danger nos animaux en attendant que la législation change? Vous tournez la situation à votre avantage. Amenez cette preuve au cours du procès de demain. Mais l'aquarium, le galion et vous risquez d'en faire les frais. J'ai affirmé mes convictions et je ne regrette rien. Vous ne faites que votre travail. Je ne peux pas vous en vouloir, monsieur l'avocat. Je vous remercie. Oh, purée. Ça m'appelle. C'est quoi ce bruit? Un autre manchot? Non, téléphone. Ah non, c'est mon téléphone! Eh ben, il aime les trucs mignons, le docteur d'oiseau. Il va peut-être faire le même bruit que Pustule. Eh, il y a longtemps, les premières sonneries de portable qu'on avait par rapport au premier téléphone, c'était pas fameux non plus, hein. On avait su du coq. Allô? D'oiseau à l'appareil. Sacre bleu, encore vous? Arrêtez de harceler cet aquarium. Pauline a été déclarée non coupable. Ou quoi, diable, voulez-vous la faire abattre? Comment? Venez le 26 pour vous expliquer? Bon, d'accord, je vais le marquer dans mon... Sacre bleu, qu'est-ce que j'ai encore fait de mon calendrier? Son calendrier? Je demande s'il parle de ce calendrier. Oui, je comprends bien. Si on en arrive là, j'utiliserai mes médicaments pour l'euthanasie. Monsieur Wright, il a parlé de l'euthanasie. On va évoquer le sujet. J'aurais également essayé de lui présenter le calendrier. Qui vous a appelé? Le centre de gestion des animaux dangereux. Sacrément, vous avez tout entendu? Ça oui. C'était le centre de gestion des animaux dangereux. Ils voulaient faire une réclamation. L'orque a été déclaré non coupable. Mais ils m'ont dit que... Que si jamais elle attaquait encore un humain, on devrait l'euthanasier. Vraiment? Mais c'est horrible! Et vous avez accepté? Il arrive parfois que les animaux s'en prennent aux humains. Et bien sûr, dans certains cas, les humains n'ont pas d'autre choix que de tuer la menace. Si on doit en arriver là, en tant que vétérinaire, je suis prêt à effectuer une euthanasie. Avec ce poison. Mais, je connais cette capsule. Elle a les mêmes lettres que celles retrouvées dans l'estomac de Polly. Le docteur d'oiseau aurait tenté de tuer Polly. Docteur d'oiseau, ça reste votre calendrier? Oui, il est à moi. Qu'est-ce que vous faites avec? Monsieur Duclos l'a trouvé dans la salle de repos. Ah oui, j'ai dû l'oublier pendant ma sieste. Il est mignon ce calendrier, vous êtes vraiment féru de manchot, hein? Bah, un peu obligé, non? C'est un cadeau, d'accord? Alors pas à moi qui ce soit. C'est un peu gênant. C'est Marine qui a créé ce calendrier. Celui-là est un prototype. Elle avait conçu un calendrier pour cette année, mais elle est morte avant sa mise en vente. Aviez-vous une liaison avec Madame des Îles? Quoi? Quel drôle d'idée! J'ai perçu de la tristesse dans votre cœur lorsque vous avez parlé du calendrier. Je n'avais certainement pas de liaison avec elle. Les relations amoureuses ne m'intéressent pas. Les gars, tu vois, toi. Oh, elle a quand même la rému. D'ailleurs, avez-vous retrouvé Monsieur Sabord le 20 juillet à 7h comme convenu? Non. Nous devions nous voir, mais Emile n'est pas venu. C'est la vérité, là? Elle a fini de nettoyer la salle du bassin de l'orque à 6h. Si le docteur d'oiseau trouve un moyen d'entrer dans la pièce pour s'entretenir avec la victime, il aurait eu tout le loisir de traiter M. Sabord. J'ai encore vous poser une question, docteur d'oiseau. Ouais, c'est là, minuit 10h. Ils ont été trop larges dans le pronostic, les enfoirés. Ouais, non, c'est quoi? Quoi donc, monsieur l'avocat? Vous avez l'air bien sérieux. Madame Vernier a mentionné quelque chose d'étrange.
L'endormi. Le centre que j'ai cloqué, mais t'as laissé un peu là. Vas-y. Mais propriétaire de l'aquarium a refusé. Son prétexte qu'un décès accidentel. Mais j'ai du mal à croire quand elle organise de lâcher facilement l'affaire. Non, mon âme, c'est l'argent qui a fait capter les autres. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais c'est pas par moi. Le propriétaire et le vétérinaire, c'est le club de l'aquarium. Et j'ai découvert qu'à chaque fois, une grosse somme d'argent est renversée. Je crois qu'à l'aquarium, le gaillon cache un secret. En rapport avec le meurtre qui vient d'avoir lieu. Encore. Oh my god. C'est 5 verrous psychés. Oh merde. D'après, ils vont faire le coup de on va savoir au tribunal puis on va pas vraiment lui parler. Cette écrivaine, elle peut pas s'empêcher de se mêler des affaires des autres. Sacré Dieu. J'aurais dû faire plus attention. Comment vais-je faire pour faire sauter tous ces verrous? Que hein? Désolé de vous interrompre, mais monsieur Lanoir, c'est de voir monsieur. Voir le docteur d'oiseau. Je savais qu'on les ouvrirait pas. Inspecteur Brian. Encore vous? N'oubliez pas que vous avez encore des questions à me poser. Eh bien, pour tout vous dire, nous avons quand même eu un petit problème. Nous avions prévu de faire appel au soigneur comme témoin de l'accusation. Mais ils se montrent très obstinés et refusent quasiment de venir à la barre. Nous souhaitons donc vous demander de témoigner à sa place. Voyez-vous ça? Moi, je ne prends pas parti. Je dis ce que je sais et c'est tout. Ni plus, ni moins. Parfait, parfait. Et maintenant, si vous voulez bien me suivre... Il semblerait que nous devions attendre demain pour continuer notre discussion. C'est pas quel secret vous cachez au sujet de cet endroit. Mais si ça peut m'aider à sauver mademoiselle Bâton, je vous promets que je mettrai le doigt dessus. Dans ce cas, bon courage. Je vous dis à demain. Il semblerait que l'on doive composer avec le témoignage du docteur d'oiseau demain. Ça risque d'être un adversaire coriace. Bon, il va falloir mettre un peu d'ordre dans les dossiers d'épreuve. Je vais demander à Athéna de mettre de côté les pièces dont je n'ai plus besoin. Bip. Oh! Oui? Je vais profiter de la sonnerie de samouraï d'acier. C'est bien ça, hein? T'es d'accord que c'était la sonnerie de samouraï d'acier, hein, de mémoire? Bah, ouais. C'est le téléphone de Phoenix avec lui. Ah, oh, c'est vrai. Monsieur Wright, je suis allé à la clinique qui chante plus drôle. J'ai pendant un petit moment que j'étais supposé de faire ça pour lui. Un peu moins fort, Apollo. Désolé, j'ai découvert plein de trucs. J'avais hâte de vous en parler. Apparemment, la mystérieuse gélule est un puissant somnifère. La marque s'appelle 3Z, ouais. Je savais que c'était un fucking somnifère, je l'avais con. Ah, je vois, c'est marqué dessus. On se dit que le veto de l'aquarium en avait récemment commandé une grande quantité. Le veto? C'est un d'oiseau. C'est un somnifère destiné aux humains. Hein? Bah pourquoi la l'orque Paula? C'est quoi cette connerie? Docteur d'oiseau, cependant, leur a dit qu'il pouvait aussi fonctionner sur les orques et les dauphins. Le fameux poison d'euthanasie du docteur d'oiseau n'était en fait qu'un somnifère. Quand Polly a failli se noyer aujourd'hui, peut-être avait-elle avalé des somnifères. J'ai découvert autre chose au sujet de cette gélule.
Le docteur Chambuzu lui-même a appris quelque chose. Il a quand même le gaillon a bien employé une dénommée Marine des îles, non? Oui, c'est elle qui est morte l'an passé. Il se trouve que Madame des îles s'est vue prescrire un certain médicament par la clinique. Le même médicament pour le cœur Canbator. Hein? Ah bon? Anne et Marine souffraient toutes les deux de la même maladie cardiaque. Bon travail, Apollo, et merci. On sera bientôt de retour au cabinet. Très bien, on vous attend avec vérité. C'est quoi cette histoire de médicaments pour le cœur? Je trouve ça weird. Bon, on ferait mieux de rentrer et se préparer pour la séance de demain. Qu'est-ce que tu vas faire, Pearls? Je crois que je vais rester là cette nuit, avec Polly et Parasite. Je serai prête pour la télévision de demain. Bonne chance, toutes les deux. Merci, Pearly. Dès qu'on aura une santé Anne, elle pourra voir Polly sans attendre. J'aimerais tellement pouvoir réunir Anne et Polly, les voir libres à nouveau toutes les deux. Mais pour en arriver là, je dois d'abord réussir à prouver l'innocence d'Anne. Anto, j'ai un gros doute, hein. C'est pour. Ah, c'est pas par rapport à l'enquête. 11h15. On va couper un morceau le tribunal. Ouais, mais c'est sûr que je vais te poser la question. Tu veux qu'on arrête ici, puis qu'on garde genre le dernier jour de procès pour le prochain stream, parce que c'est le dernier jour, ça va forcément être très long. En un stream, ouais. On va le faire. Mais, puis comme ça, on finirait la fin. Pas en demi-stream, ouais. Non. Ben sinon, l'autre option, c'est qu'on fait genre la première partie du procès aujourd'hui, puis qu'on fait la deuxième la prochaine fois. Mais si on fait ça, j'ai peur que la prochaine fois, tu sais, on finisse la deuxième partie assez vite, puis qu'on doive enchaîner sur le premier jeu direct, puis ce serait un peu weird. Fait que je me dis, est-ce qu'on se garderait pas le procès pour la prochaine fois? Et au cas où, on commence à 20h30, histoire de se prendre du marche sur le coup. Ouais, si tu veux, on commence un petit peu avant, on commence à. Ouais, 20h30, là, sur le coup, histoire de. Ouais, 20h. Ah, bah, je sais pas trop ce que je fais encore dimanche, c'est pour ça, donc je te dirai quand j'en saurai plus par rapport à dimanche, ouais, c'est le problème. Je sais pas à quelle heure je vais pouvoir rentrer. Mes programmes, c'est sur Bluetooth. Mais on va s'en garder. Du coup, je pense que c'est mieux de garder le procès pour la prochaine fois. Puis comme ça, on finit en un stream, on fait tout le reste du procès, on finit bien clean sur la fin de ce jeu-là pour enchaîner sur le prochain jeu après ça dans l'autre d'après. Ouais, faut. Quand tu connais, on peut gérer correctement. Je sais pas. Là, on sait pas du tout. Non, mais c'est je déjà, vu qu'on sait pas, ça va sûrement prendre un petit peu plus de temps à tout penser. Mais je sais aussi que les derniers procès des jeux, les derniers jours des derniers procès, c'est tout le temps long. Fait que. On va en avoir pour un stream au complet facile. Hein. Dimanche, j'ai un repas d'Étienne. Ah ouais. Un repas avec qui? Une amie? Ta famille? Étienne, t'as rencontré quelqu'un, c'est vrai. Quelqu'un qui aime Minecraft, j'espère? Ah, c'est bien vu ça, Anto. C'est pour qui? Étienne, il cherche deux choses, c'est une femme, les glaces, Minecraft. Et non, je taquine. Peut-être! Oh, foiré! T'as eu sur ce coup-là! Alright. Du coup, ça va être le temps de raid, c'est ça? Oh, bah ouais, bonne idée. On va aller voir Kiki. Bisous! Et je joue à DBD pour la première fois aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est elle que je joue. Bisous. Bisous. Ah, d'accord, oui. Venez. Oh, tiens! Je sais qui je vais faire un raid. Ah, ouais, tu vas raider qui? À Quack. Et en stream? Oui! Ah, bah oui. J'ai cette radio en plus. Ah, je connais le jeu. C'est un jeu dans la Dreamcast, ça, mon talent. Ouais, je connais moi aussi. J'ai cette radio. Attends ça. Allez. J'aurais dit un date, du coup, oui, c'est sûr. Mais c'était pas encore à ce niveau-là, c'est pour. Ouais. Alors, Allez, on prépare le raid. Décopier le message de voix. Hi, Antimaster 16. Sit back and enjoy the stream. Woof! C'est toujours avec quelqu'un.
Voilà. Ouais, on est en position. Hop. Et du coup, on se reverra pas demain. Demain, je streamerai pas. Mon plan pour la semaine à voir, il faut que je vois justement avec Mizu demain pour un truc en particulier. Fait que je risque d'éditer mon planning demain, mais je vais quand même essayer de le faire ce soir. Un général, mais je vais peut-être le mettre à jour demain, du coup. Mais ouais. Du coup, on se reverra sûrement mardi. L'heure mardi à voir, ça dépend si je fais une collab mardi ou pas. C'est, oh merde, il a en fin de live. Il termine son live. Faut que j'aille ailleurs. J'ai pas prénom à vous donner. Ah, je sais qui je vais aller alors. La vie chimie aussi. Pire. Bon, fait que ouais, comme je viens de le dire, du coup, j'ai updaté mon planning demain. Je vais essayer de le faire ce soir quand même. Mais regardez surtout demain pour le planning fait que, pour cette semaine. Mais ouais, on se voit mardi dans pas mal tous les cas. L'heure mardi, puis qu'est-ce qu'on va faire, ça reste à voir. Fait que sur ça, je vous envoie Rick Bisou qui joue à Dead by Daylight pour sa première fois aujourd'hui. Et sur ça, ben moi je vous dis. Salut!